Salut, bienvenue sur Mediapart. Le ministre du Renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, est avec nous pendant une heure en direct face à la rédaction. Vous regardez à l'air libre l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Bonsoir, merci Olivier Véran. Bonsoir à tous. D'avoir accepté notre invitation autour de la table. Valentine Auberti, co-directrice éditoriale de Mediapart. Hélène Salvi, chef du pôle politique de Mediapart. Et Ilyes Ramdani, journaliste qui suit chaque jour votre gouvernement. Il a du travail. Commençons par le Proche-Orient, évidemment, et ses résonances en France. Depuis le début du conflit, après les attaques du Hamas en Israël qui ont fait 1200 morts, selon le dernier bilan, avec 240 otages kidnappés, que leurs familles en Israël réclament encore aujourd'hui au gouvernement à corps et à cri, des milliers de civils ont été tués à Gaza. L'ONU a parlé il y a quelques jours de 9000 morts. Les États-Unis de milliers de victimes, 1,5 million de Gazaouis, les deux tiers des habitants ont fui leur domicile. Depuis le 7 octobre, on a un peu du mal à suivre la position d'Emmanuel Macron et donc la position de la France qu'il incarne. La France a d'abord exprimé son soutien à Israël, y compris donc dans son action militaire à Gaza, au nom du droit à se défendre, position exprimée avec d'autres pays, notamment le Royaume-Uni et les États-Unis. Ce week-end, sur la BBC, Emmanuel Macron a appelé à un cessez-le-feu. Il a dit « Il n'y a pas de justification pour les bombardements. Nous enjoignons Israël à cesser les bombardements. » Des phrases très claires. Il a eu ensuite le président israélien au téléphone et qui a ensuite dit que Emmanuel Macron lui avait répété que Israël avait le droit à se défendre. Pour que les choses soient claires, est-ce que la France appelle, oui ou non, à un cessez-le-feu ? La France appelle à une trêve humanitaire durable, immédiate, forte, suivie et qui doit conduire à un cessez-le-feu. Elle donc le c'est fait pas dans une feu immédiat. Elle le fait. Ben, vous savez, la trêve humanitaire, déjà, c'est suspendre les bombardements, c'est suspendre les combats et c'est se retrouver, permettre de sauver des civils, de protéger les populations qui subissent des bombardements et des populations palestiniennes qui subissent déjà le Hamas au quotidien et qui là se retrouvent victimes d'un conflit qui les dépasse. Quand on dit une trêve humanitaire qui doit conduire à un cessez-le-feu, en termes formels, ça veut dire que la trêve humanitaire, on arrête les combats, mais ils sont susceptibles de reprendre. Quand on dit une trêve humanitaire qui doit conduire à un cessez-le-feu, c'est qu'on espère que la trêve humanitaire permettra de trouver des solutions qui évitent la reprise des combats. Quand vous posez la question de la position française, d'abord rappelez, parce que des fois, vous savez, je suis beaucoup interrogé sur le sujet, c'est normal, j'ai presque parfois l'impression que la France serait partie prenante du conflit. En réalité, la France n'est pas évidemment co-belligérante. Par contre, elle s'investit, elle s'engage. Parce qu'on sait le faire sur le plan diplomatique, parce qu'on a une force diplomatique importante, notamment Proche-Orient, Moyen-Orient, mais aussi avec les pays occidentaux. On l'a fait en votant pour les résolutions présentées par le Brésil, notamment aux Nations Unies. On a aussi un poids politique important auprès d'un certain nombre de pays qui sont interlocuteurs de la Palestine, interlocuteurs d'Israël, parce qu'on prêche, on plaide pour cette solution à deux États qui doit permettre demain aux Palestiniens de vivre en sécurité dans la durée et aux Israéliens aussi de connaître cette sécurité dans la durée. Et puis cette question humanitaire qui est dans notre ADN français, qui fait qu'on envoie beaucoup de matériel, on envoie beaucoup d'équipes et qu'on arrive à récolter des fonds, ce qu'on a fait à Paris la semaine dernière, un milliard d'euros quand même. Vous avez été très clair pour condamner une attaque terroriste le 7 octobre en Israël. Comment qualifiez-vous, avec quel mot, ce qui se passe actuellement à Gaza ? C'est une guerre. C'est une guerre, il y a des bombardements, c'est une guerre. Il y a, quand on dit qu'Israël est victime de ce qui s'est passé le 7 octobre, Israël est victime de ce qui s'est passé, elle est victime d'attentats terroristes. Enfin, imaginons-nous une seconde, parce que c'est toujours plus commode de commenter ce qui se passe à des milliers de kilomètres de nous, mais nous avons connu des attentats, et nous avons connu des attentats de masse. Quand nous sommes attaqués, nous avons besoin du soutien des autres nations. Est-ce que cette guerre, elle est du côté d'Israël, du côté des bombardements israéliens, proportionnée ? À l'heure où on parle, les tirs israéliens se concentrent sur l'hôpital d'Al-Shifa à Gaza. L'armée israélienne dit d'ailleurs que ce serait une base du Hamas. Le droit international a aussi certaines règles. Il interdit de s'en prendre aux hôpitaux, sauf sous certaines conditions extrêmement précises. Dans ce cas-là, même s'il y a des frappes, même si on estime qu'il y a des actes nuisibles, comme on dit en droit, qui sont faits par des gens qui seraient dans un hôpital, malgré cela, on doit protéger les populations civiles et les médecins. Ça, c'est le droit international, rappelé par la Croix-Rouge ces derniers jours. Est-ce que la réponse militaire israélienne, dans le cadre de ce que vous avez appelé une guerre, est proportionnée ? Nous appelons au respect, et c'est évident de lire, mais ça va bien en le rappelant, des règles internationales, ça c'est une évidence. J'ai eu d'ailleurs la semaine dernière à dire que la France condamnait le bombardement israélien du campement humanitaire de l'ONU. Ensuite, la situation sur place, moi je ne la connais pas davantage que vous, je sais ce qu'il en est dit de part et d'autre,
Il y a aussi la possibilité non négligeable que certains cadres du Hamas se cachent justement à côté des endroits où normalement on a des populations civiles qui sont fragiles et qui sont à protéger. Il n'est pas non plus impossible et impensable que le Hamas cache des objectifs militaires et cache des munitions ou des explosifs dans les sous-sols, notamment proche des écoles et des hôpitaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tirer sur les hôpitaux et les écoles. Dans ce cadre-là, ça veut dire que cette situation à Gaza, c'est une situation aussi rendue très particulière par cette stratégie qu'on connaît du Hamas, qui consiste parfois aussi à s'entourer d'enfants, de civils, de boucliers humains. Ça veut encore une fois pas dire qu'il faut bombarder de cette manière-là. Donc c'est ce que nous rappelons, et quand nous appelons à une trêve humanitaire, c'est justement parce que nous avons conscience de la nécessité que cela s'arrête. Mais ce n'est pas la fin du bombardement. Pardon ? C'est pas la fin des bombardements. Bah, la trêve humanitaire, ça veut dire qu'on fait une trêve, ça veut dire qu'on permet d'évacuer les civils, ça veut dire qu'on permet de restaurer les biens essentiels pour les populations qui sont encore sur place. Et quand on dit que c'est une trêve durable qui doit conduire à un cessez-le-feu, c'est qu'on voudrait et on plaide pour que cette trêve humanitaire, elle s'accompagne de l'arrêt des hostilités. Mais encore une fois, ça ne contredit pas le discours de la France, qui est aussi très clair vis-à-vis d'Israël, qui, à l'heure à laquelle on se parle, a des centaines de disparus, qui ont été capturés dans des conditions abominables, emmenés dans la bande de Gaza, qui sont retenus otages. On a un décompte des morts, hélas, au quotidien, qui montre que il n'y a pas que des otages, il y a aussi des gens qui sont identifiés comme morts. C'est le cas notamment pour les Français. Je rappelle que c'est le plus gros attentat collectif en termes de nombre de victimes françaises depuis bien des années. Il y a 40 morts, il y a 8 personnes disparues. Je veux dire juste une chose qui me frappe, oui, mais je vous le dis quand même à ce stade-là, c'est qu'il y a quelques années, quand il y avait des otages français à l'étranger, on ouvrait limite tous les 20 heures. Alors là, du fait des complications diplomatiques, de la nécessité d'assurer la sécurité des disparus, l'identité, les photos ne sont pas connues, sauf pour Miachem. Mais moi, je voudrais quand même aussi qu'on soit capable de se dire qu'on a, à l'heure à laquelle on se parle, peut-être des otages français qui sont retenus à Gaza dans des conditions extrêmement compliquées. Et on en parle d'ailleurs il est nécessaire, et on nous le demande, et il faut tout mettre en œuvre pour aller les chercher. Ce week-end, il y a aussi ce que disent des dirigeants israéliens. Un ministre membre du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, a dit « on va faire la Nakba de Gaza, c'est la Nakba de Gaza de 2003 ». La Nakba, c'est le déplacement de 750 000 Palestiniens en 1948, au moment de la création d'Israël. La phrase de ce ministre aujourd'hui, pendant que cette guerre existe, c'est donc la phrase, ça veut dire « on fait sortir les Palestiniens de Gaza, on déplace des populations ». Jusqu'où soutenir l'intervention militaire d'un État, quand certains de ses dirigeants appellent à ce qui peut s'apparenter à un nettoyage? Mais je vous redis les choses, on soutient le droit d'Israël de se défendre, on soutient Israël dans le droit, la nécessité qu'il a d'aller chercher ses otages, c'est indispensable, et on soutient une solution politique en demandant dans l'intervalle une trêve humanitaire. Donc il ne me revient pas de commenter les propos de ministres israéliens. Je ne crois pas en plus, pardonnez-moi, que c'est un impact sur le conflit dont on est en train de parler, de savoir comment on commente. Ce qui compte, c'est ce que fait la France avec sa puissance diplomatique. Je vous redis que la France, avec ses puissances diplomatiques, sa portée politique au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Europe, vis-à-vis des États-Unis, de l'Amérique du Sud, fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les conditions de la trêve soient réunies sans délai. Et c'est ça, ça veut dire que, si vous voulez, on n'a pas besoin d'une motivation supplémentaire pour pouvoir agir en tant que Français sur le plan de la diplomatie internationale. C'est ce que nous faisons, ce que fait le président qui multiplie les appels. Il n'y a pas, pardonnez-moi, il n'y a pas beaucoup de présidents européens qui sont susceptibles de parler comme ça, plusieurs fois par semaine, aux leaders qui comptent et qui pèsent et qui ont du poids politique dans la région. Mais concrètement, vous parlez avec qui ? La voix qui est la nôtre. Vous parlez avec qui pour libérer ces otages ? Concrètement, vous parlez à qui pour libérer à la fois les otages kidnappés par le Hamas ? Ils sont 8 encore, c'est ça ? En tout cas, il y a 8 personnes. 8 Français disparus dont on ignore s'ils sont en vie. La seule personne dont on savait qu'elle était otage, Miachem, nous avons une preuve de vie en vidéo, et depuis, il n'y a pas de nouvelles. Donc ça veut dire qu'il faut rester très prudent, mais ça veut dire qu'il faut aussi se donner tous les moyens, ce que nous faisons, et on a aussi de nombreux tenter d'extraire ces otages. Et on a aussi de nombreux Français coincés à Gaza. Donc là, on parle des otages français, franco-israéliens, retenus par le Hamas, mais aussi donc des Français, des binationaux franco-palestiniens, qui sont donc retenus dans la bande de Gaza. Certains ont été évacués, mais il en reste encore 122. Donc non, 122 Français ont pu sortir de Gaza, je crois que le chiffre est exact. Et on était à 200 avant, donc il en reste encore. Ils ont pu passer par un peu moins de 200, et tous les Français sont contactés et disposent de contacts, évidemment, de haut niveau, pour leur permettre d'engager des démarches lorsqu'ils veulent partir. Mais concrètement, vous discutez avec qui pour libérer ces personnes ? Vous savez comment les choses se passent. Vous avez
d'abord le Quai d'Orsay avec justement. Les. Ben, si, enfin, vous pouvez l'imaginer. En tout cas, je n'en sais pas davantage que vous, dans le sens où c'est des canaux diplomatiques. Ça nécessite aussi de la discrétion. Parfois, c'est par l'intermédiaire d'autres pays qui sont en contact avec les Palestiniens, etc. C'est pour ça que vous aurez noté. Le Qatar, par exemple. Et d'ailleurs, c'est ce qu'attendent de nous, c'est les familles, c'est de la discrétion dans la manière dont les choses se conduisent. Vous avez organisé une conférence. Il y a eu la conférence pour la paix. Vous avez débloqué de l'argent, mais il n'y avait aucun chef. Oui. 100 millions français. Avec aucun chef d'État arabe. Israël n'était pas représenté. Vous dites qu'il y a peu de chefs d'État en Europe qui discutent avec les parties prenantes, mais vous dites une trêve humanitaire sans délai. En l'occurrence, il y a un délai, il n'y a pas de trêve humanitaire. On est très très loin d'un cessez-le-feu. Et les discussions que vous avez ne se font pas au plus haut niveau. Ni vous, ni moi. Est-ce que votre diplomatie, elle n'est pas impuissante? Ni vous, ni moi n'avons le pouvoir d'aller au-delà de ce que les recommandations internationales portent et de ce que les résolutions du Conseil de l'ONU peuvent engager. Je vous dis que la position que nous tenons dans toutes les instances internationales, elle est transparente, elle est celle-là. Ensuite, pardonnez-moi, à la rigueur, enfin là c'est un peu le toubib qui vous parle, mais quand on me dit qu'on arrive à dégager 1 milliard d'euros pour pouvoir envoyer du matériel, des équipes, restaurer l'accès à l'eau pour des populations civiles, moi j'ai envie de vous dire, peu importe qui est là au moment où le chèque est fait en fait. 1 milliard d'euros, c'est un effort considérable, et c'est parce que justement nous avons une voix qui porte que le président de la République a pu à Paris récolter cet argent. Alors je m'adresse au toubib, même si c'était, à mon avis, superflu de le rajouter, mais qui en aucun cas ne va permettre au Hamas de s'armer. Évidemment, on parle là d'action humanitaire, avec le savoir-faire français. Olivier Véran, est-ce que vous trouvez satisfaisant que pendant des semaines, quelques camions seulement aient pu entrer dans la bande de Gaza, alors même que toutes les institutions internationales, l'ONU en tête, disaient qu'il fallait au moins 100 camions par jour? Là, je m'adresse au toubib, comme vous dites. Est-ce que vous trouvez ça satisfaisant? Le toubib que je suis salue tous les gens qui se font de l'humanitaire et qui s'engagent, y compris sur les terrains de guerre. Vous comprenez bien que là, on est dans une situation où saluer ne suffit pas. Vous me posez la question. En responsabilité. Si j'étais en capacité. Bah, vous dites en responsabilité. Bah oui, est-ce que j'ai la capacité d'élargir le corridor humanitaire qui a déjà pu être formé à côté de la bande de Gaza? Donc vous reconnaissez que ce n'est pas suffisant. Par l'intervention des puissances occidentales, et notamment les Américains, les Européens, etc., qui ont poussé pour qu'il puisse y avoir ce corridor et qu'il puisse ensuite être élargi. Mais vous dites ce soir que ce n'est pas suffisant, ce corridor humanitaire. Je ne suis pas en capacité de porter un jugement. Je vous admire d'avoir la capacité de juger les choses. Je vous dis que moi, mon raisonnement, il est simple. Plus on arrive à protéger les civils, plus on arrive à apporter de matériel, plus on est capable de déployer sur place des équipes médicales, plus on est capable de protéger les gens qui sont fragiles. Vous ne direz mieux pas que si me c'est porte. Suffisant. Mais c'est une règle. Pour moi, c'est une règle de base. Donc, la question d'être suffisant. Moi, ça ne vous inquiète pas ce que dit l'ONU? Mais pour moi, les choses seront suffisantes lorsque je serai sûr que tous les civils seront protégés. Donc, vous disant cela, je vous fais une réponse globale, mais je vous dis que je ne suis pas capable de juger sur place, quel est l'état du corridor et du nombre de camions qui passent, etc. Je vous dis juste que nous, on anticipe le fait que cette capacité de déploiement humanitaire sur place s'agrandisse, puisqu'on a, encore une fois, débloqué 1 milliard d'euros. Quand vous voyez sur les images des médecins qui appellent à l'aide avec 18 tonnes par avion de matériel médical. Olivier Véran, vous êtes médecin. Quand vous voyez des médecins qui appellent à l'aide depuis un mois, depuis les hôpitaux, pour dire nous n'avons plus de lumière, nous n'avons plus d'électricité, nous n'avons plus d'eau, nous ne pouvons pas soigner, que dit le médecin? Mais le médecin, il vous redit la même chose. Ça veut dire que moi, je suis pour la protection des civils qui n'ont rien demandé. Les Palestiniens n'ont pas demandé davantage les attaques terroristes du Hamas en Israël que le fait d'avoir des bombardements en retour. Ce sont des victimes. C'est pour ça que je parle de guerre. Et malheureusement, dans les guerres, et je le déplore, je ne dis pas que c'est normal, mais dans les guerres, il y a des victimes civiles. Et donc, il faut limiter le plus possible les victimes civiles, il faut venir en aide aux civils, et je suis pour les trêves de manière générale, puisque je suis contre la guerre. Mais encore une fois, vous disant cela... Oui, Hélène. Vous parlez de guerre et vous parlez aussi de force diplomatique. Or, Le Figaro a révélé aujourd'hui une note qui vous a évidemment pas échappé, qui a été signée par plusieurs ambassadeurs de France au Moyen-Orient et dans certains pays du Maghreb. Et ils regrettent dans cette note, ces diplomates, le virage pro-israélien pris par Emmanuel Macron, dont ils estiment qu'il s'agit là d'une rupture avec le positionnement traditionnellement équilibré de la France. Plus largement, en termes de diplomatie étrangère, ça fait quelques années quand même que des diplomates jugent la pratique très personnelle du président de la République en matière d'affaires étrangères, regrettant notamment une recherche un peu de coup d'éclat. Yves Aubin de la Missusière, qui est un ancien ambassadeur spécialiste des pays arabes, disait dans Mediapart la semaine dernière « une diplomatie sans diplomate ». La question est assez simple, est-ce qu'il ne serait pas temps que le président de la République et plus largement l'Élysée, la cellule diplomatique, écoute davantage le Quai d'Orsay ?
Alors, pardon, moi je suis porte-parole du gouvernement, je suis en lien avec le Quai d'Orsay, je suis en lien avec la cellule diplomatique de Matignon et de l'Elysée. Je peux vous garantir, vous rassurer si vous avez un doute, sur le fait qu'il y a une parfaite coordination et une parfaite coopération. Comment on explique cette note ? Eux, ils parlent de perte de crédibilité et d'influence de la France, constatent la mauvaise image de notre pays dans le monde arabe. Mais du coup, la coalition antiterroriste proposée par Emmanuel Macron au tout début du conflit, c'était en coordination avec le Quai d'Orsay ? Je vous réponds. D'abord, est-ce que la voix de la France, elle porte dans le monde ? Dans un monde qui est traversé par des conflits. Oui, enfin, personne ne peut dire le contraire. Que ce soit dans le conflit ukrainien, dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que ce soit dans ce qui s'est passé en Afrique et ce qui se passe encore dans certains États africains, que ce soit dans la situation israélo-palestinienne. La voix de la France, elle compte, elle pèse, elle a un poids. C'est d'ailleurs bien pour ça que la diplomatie internationale est très sensible à ce que peut dire la France. Mais là, on parle de la diplomatie française. Oui, j'entends bien. Je vous redis, l'objectif, c'est qu'on soit capable de parler à l'ensemble des parties prenantes. L'objectif, c'est que lorsqu'on appelle à une trêve humanitaire, cet appel puisse être suivi des faits. L'objectif, c'est lorsqu'il y a des résolutions qui sont bonnes pour les Palestiniens et qui sont bonnes pour les Israéliens, qui sont présentées au Conseil de l'ONU, il puisse ne pas y avoir de veto, et donc il y a un travail diplomatique de fond. Donc que des ambassadeurs, de manière anonyme en l'occurrence, d'une partie... Oui, enfin bon, ça reste anonyme. Enfin, moi, quand j'ai des choses à dire, je le dis d'ailleurs... Vous êtes ministre, ça n'a rien à voir. Pardonnez-moi, quand je suis ministre, je m'engage pour l'État et l'action publique. J'aurais été ambassadeur, je me suis engagé pour l'État. Et on oppose souvent aux fonctionnaires leur devoir de réserve. Donc bon, on peut tergiverser sur l'anonymat de ces fonctionnaires. Mais... Ben oui, on peut tergiverser. Mais sur le fond, non, mais on pourrait avoir un grand débat sur l'anonymat après, si vous voulez, ou vous pouvez me réinviter. Sur le fond, est-ce que c'est pas une alerte ? Ne les poussez pas. Est-ce qu'on peut balayer en fait cette note ? Est-ce que la communauté internationale a bien accueilli les interventions du président de la République ? La réponse, si vous posez la question, oui. La coalition internationale, oui. Personne ne s'est appris. Et la presse internationale qui traite de l'abord du conflit israélo-palestinien par la France, elle est, mais c'est pas, malheureusement, c'est pas une exception, généralement plus favorable que parfois ce qui peut en être dit dans la presse française. Oui. Bon, une fois qu'on a dit ça, encore une fois, qu'est-ce qui compte pour nous d'être efficace ? Et pour être efficace, il faut être crédible. Et pour être crédible, il faut parfois être équilibré. Et c'est cet équilibre que nous recherchons en permanence, évidemment avec le Quai d'Orsay. Mais cette coalition antiterroriste proposée au début du conflit qui a fait pchit, c'était coordonnée avec le Quai d'Orsay ? Elle en est où, cette coordination antiterroriste ? Elle va voir le jour ? La coordination, ça veut dire quoi ? Peut-être une coalition. Allez-y, coalition. On pose une coalition. Allez-y. La coordination, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait pour éviter des guerres ou pour éviter des attentats ? Qu'est-ce qui est utile pour le faire ? Du renseignement. Le renseignement. Ça compte, le renseignement. Le renseignement, ça évite des attentats. On en a évité plus de 40 en France dans notre pays. Bon, donc il y a un savoir-faire international des démocraties libérales qui peut être mis en commun pour se dire, à un moment donné, les attentats, ils peuvent venir d'Al-Qaïda, ils peuvent venir de Daesh, ils peuvent venir de Boko Haram, ils peuvent venir du Hamas. Ayons une coordination qui nous permette, par du renseignement efficace, de nous prévenir les uns les autres et de mieux lutter contre ça. Surtout à une époque où le terrorisme, c'est aussi le cyberterrorisme. Et les attaques peuvent venir de bien d'autres endroits pour essayer de mettre le bazar, le bordel, pardon, entre différents États qui, à la base, n'ont rien à voir. Donc, avoir une coordination des pays qui refusent le terrorisme et qui luttent contre le djihad islamiste, quelle que soit sa forme dans les pays qui sont concernés, me semble être plutôt de nature à aller dans le bon sens. Maintenant, si vous m'expliquez que ça ne l'est pas, je veux bien savoir pourquoi. Non, on voudrait savoir ça. Quel contour a cette coalition internationale ? Déjà, rien que sur la question du renseignement, du cyber, etc., rien que ça, je veux dire, se dire qu'on est capable de bosser en européen, aussi avec les Américains du Sud, déjà. Avec des têtes, manifestement pas suffisamment. Depuis que le chef de l'État a fait cette proposition en déplacement à Tel Aviv, est-ce qu'il y a un pays, une autre puissance internationale, qui a répondu et qui a rejoint cette coalition ? Mais après, il y a des choses qui relèvent de la diplomatie, donc c'est... Vous savez, je suis porte-parole du gouvernement, donc je réponds à toutes vos questions. Il y a des choses qui, parfois, relèvent du fonctionnement diplomatique. Vous regardez comme moi un certain nombre de films ou de séries qui parlent de ces questions-là. Il y a des choses dont on n'a pas à connaître, comme dit l'expression consacrée, sur le moment, mais qu'on sait au moment où on doit le savoir. Il y avait le même type de coalition sur Daesh, et on avait exactement la composition, les missions, etc., de cette coalition. Donc c'est étonnant que cette fois-ci ce soit... Mais parce que vous aviez un ennemi qui était en train d'envahir des pays, et qu'on avait une intervention internationale en cours dans ces pays. Donc oui, ça veut dire que sur le fait, on est capable de... Mais anticiper une meilleure coordination, anticiper aussi le savoir-faire, même en termes de transport, de logistique, d'infrastructure, d'être capable de mettre en commun des choses. Il y a des choses qu'on fait très bien, nous, et des choses qu'on fait un petit peu moins bien. Et il y a d'autres partenaires qui font très bien ce qu'on fait un petit peu moins bien. Et se dire qu'on se coordonne, encore une fois, je pense que ça va... On peut chercher querelle partout. Mais là, ça me paraît... L'analyse générale, c'est quand même qu'elle a fait pchit, cette coalition. Non, elle n'a pas fait pchit. Je ne suis pas d'accord avec vous. Elle a été commentée immédiatement et tout le monde a dit « Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ?»
En réalité, je vous réponds, déjà, quand on parle de renseignement, de logistique, de coopération, etc., c'est important. Une question sur la ligne de la France. Vous avez entendu, j'imagine, les interventions médiatiques de Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, qui juge, pour résumer, que la France ne tient pas, que le gouvernement actuel ne tient pas la ligne historique de la France, que le gouvernement actuel est trop pro-israélien, en tout cas trop indulgent à l'égard d'Israël dans la façon de commenter et d'influer sur sa riposte. Sylvain Maillard, le patron des députés Renaissance, on lui a demandé de commenter ses propos dans un article de Mediapart. Il dit « Villepin, c'est la vieille France, la même position rabâchée depuis 20 ans. Nous ne prenons pas nos ordres au Quai d'Orsay. » Entre les deux, comment vous vous positionnez? Quelle est votre ligne, la ligne du gouvernement? D'abord, pardon, moi, je vous ferai remarquer, sans faire sans mauvaise intention de ma part, que je voudrais, malgré tout, avec l'organisation des questions que vous me posez, qu'on puisse reconnaître ensemble qu'on est en train de parler d'Israël, qui est victime de ce qui s'est passé le 7 octobre. Parce qu'on parle de la manière dont Israël répond. Mais je voudrais qu'on consacre peut-être un petit peu de temps, d'énergie, de pensée aussi aux Israéliens qui sont victimes de ce qui s'est passé le 7 octobre. L'un ne va pas sans l'autre. Hein ? L'un ne va pas sans l'autre. Non, mais pardon, c'est pas unique. Je vous le dis juste. C'est-à-dire qu'on parle de la Palestine, de l'intention de la France vis-à-vis de... Enfin, j'ai abordé la question des otages hyper vite. Je vous dis juste, je ne veux pas qu'on ait... Je ne veux certainement pas donner le sentiment que notre entretien ne parlerait que de la question palestinienne et pas de la question israélienne. Parce que, à l'heure à laquelle on se parle, ils reçoivent encore des obus sur Tel Aviv la nuit. Et ils ont des boucliers, et vous avez encore des alarmes avec des familles qui vont se planquer au sol. Et donc, c'est de ça dont on est en train de parler. Il y a un agressé à la base qui est Israël. Ensuite, sur la question de Dominique de Villepin. Pardon, quand Dominique de Villepin, qui était un très grand ministre des Affaires étrangères, j'ai aucun doute là-dessus, était lui-même aux affaires, il a eu affaire à des prédécesseurs qui ont pu commenter ses faits et gestes, et parfois contester les décisions qu'il avait prises. Donc il sait mieux que moi et mieux que quiconque ici ce que ça veut dire. Donc je pense que, honnêtement, je pense que quand on a vécu et qu'on a participé à construire une belle page de l'histoire française de la diplomatie, mais qu'on est parti depuis un petit moment, je pense qu'on peut donner une opinion, mais aller juger de l'action de ceux qui vous succèdent n'est pas, à cet égard, extrêmement élégant. Mais encore une fois, avec le plus grand respect pour l'action de Dominique de Villepin quand il était au Quai d'Orsay. J'ai pas envie, si vous voulez, d'instruire, j'ai pas envie d'organiser la pensée française, l'action française du moment dans le conflit israélo-palestinien, dans ce moment particulier, en fonction de ce que les uns ou les autres ont dit. Ni les ambassadeurs, je sais combien ça peut être pénible, pardonnez-moi, il se trouve dans un tout autre registre que pendant 2 ans j'ai piloté la réponse française à la pandémie et qu'en permanence sur les plateaux, on me sortait ce qu'avait dit M. Douste-Blazy, qui en l'occurrence racontait. Non, mais ce que vous dites juste, Hélène, c'est qu'il y a un débat dans la diplomatie. Mais il peut y avoir un débat dans la diplomatie. Il se trouve que vous avez un chef d'État qui est chef de la diplomatie, que vous avez un Quai d'Orsay qui organise le réseau de diplomates, que vous avez une parole de la France et une voix qui porte, et que c'est ça qui compte. Et vous connaissez la parole que nous portons. Et je crois qu'on peut tous s'entendre pour dire que s'il y a une trêve humanitaire qui est organisée sans délai, et que si la France y prend toute sa part, c'est plutôt une bonne nouvelle. Juste sur le fond, nonobstant les messagers, sur le fond, ce que dit Dominique de Villepin, c'est que la France... Dominique de Villepin dit très clairement que la France devrait... dire qu'Israël ne respecte pas le droit international en ce moment, il y a des sérieuses raisons de penser qu'Israël bafoue le droit international. C'est ce que sous-entend, voire dit, le président de la République quand il dit qu'il n'y a ni raison ni légitimité au bombardement actuel. Est-ce que c'est ce que vous dites aussi? Mais la France, c'est pas ce que je dis qui compte, c'est ce que dit la France. Je suis porte-parole. Bon. Ce que dit la France, et c'est qu'elle a eu l'occasion de dire, d'abord elle a condamné la poursuite de la colonisation en Cisjordanie il y a quelques jours de cela, elle a eu l'occasion de condamner le bombardement du camp humanitaire de l'ONU, elle a eu l'occasion plusieurs fois de condamner des choses qui se sont passées et qui ne sont pas normales. Et quand la France dit nous sommes extrêmement vigilants et nous appelons au respect du droit international, et comme les conditions ne sont pas réunies, nous appelons à une trêve humanitaire, je pense qu'on est en train de dire les choses dans le bon sens. Ibiès. Sur un sujet plus national, il y a eu cette marche contre l'antisémitisme, dimanche, à laquelle vous avez participé. À Grenoble. À Paris, la polémique a très vite porté sur la présence, dans cette marche, d'élus, de militants, de sympathisants d'extrême droite, du Rassemblement National et de Reconquête. Vous avez personnellement condamné cette présence. Ce n'est pas le cas de tous les représentants de la majorité du camp présidentiel. Je pense à Édouard Philippe, notamment l'ancien Premier ministre, qui a dit, lui, n'y voir aucun problème. Est-ce que vous voyez-vous un problème dans le fait de n'y voir aucun problème? Là où je vois un problème, et j'en rends responsable l'extrême droite,
c'est qu'ils n'ont même pas attendu que l'encre du communiqué annonçant la manifestation soit sèche pour s'y inviter, pour s'y incruster. Et pourquoi ils l'ont fait ? Ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit, plutôt que de parler de l'antisémitisme, autant parler de nous. Et ils savaient très bien ce qu'allait se passer. Et nous-mêmes aussi, vous pourriez me dire qu'on savait très bien ce qu'allait se passer. Et que quand on m'interroge pour savoir si le RN est à sa place et que je dis non, je sais forcément que ça va faire une polémique et que ça risque d'emporter un peu sur le message de fond. Maintenant, quel est le choix que j'ai ? De dire aux gens, le RN à sa place, circuler, il n'y a rien à voir. Ma conviction profonde, ça me heurte. Ça me heurte. Ils n'ont pas leur place dans la manifestation. Ils n'avaient pas leur place parce qu'ils n'ont pas été capables de condamner, par la voix de Jordan Bardella, les racines antisémites, parce que derrière Marine Le Pen et derrière Jordan Bardella, dont je ne sais pas ce qu'ils pensent au fond, parce qu'ils changent d'avis au gré des élections, sur l'Europe, sur tout, vous avez tout un réseau qui sont des réseaux de cadres, de maires, de députés, qui sont proches du GUD ou qui ont tenu des discours, des positions, qui ont fait des gestes, qui ont commis des actes, qui ne s'intègrent pas, qui ne sauraient s'intégrer dans la lutte de la nation et de la République pour protéger les siens, et notamment les siens de confession juive. Mais sur donc cette... je le dis, et maintenant, ce que je dis avec la même vigilance, c'est que je ne veux pas qu'on chronique pendant des jours et des semaines pour savoir pour ou contre le RN, parce que est-ce c'est ce qu'ils attendent. Est-ce que vous êtes un peu seul à le dire dans la majorité, quand même, dans le gouvernement? Alors, je porte-parole du gouvernement, sachez que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ce soir, je porte-parole du gouvernement, mais quitte à me répéter, non, mais vous en général, quand on m'interroge sur des questions politiques niveau d'importance-là, c'est rarement mon avis personnel que je vais donner. Visiblement, il peut être contesté par des membres du gouvernement, par des membres de la majorité, dont acte. Mais vous êtes le porte-parole du gouvernement quand vous dites par, ça. Par définition, je fais attention et je pèse chaque mot, surtout dans l'enceinte du compte-rendu du Conseil des ministres. Mais ça me va très bien, cette position. Parce que, et d'ailleurs, vous savez, à Grenoble, vous étiez venu une fois il y a une dizaine d'années suivre le début de ma campagne en 2012, vous connaissez un petit peu la ville. C'est une ville compagnon de la Libération. Donc c'est une ville qui n'aime pas l'extrême droite. C'est une ville dans laquelle le RN fait des petits scores. Une ville dans laquelle, quand vous avez une eurodéputée RN qui vient poser une gerbe de fleurs sur une commémoration, ça fait polémique et ça fait la une de la PQR. C'est une ville qui a encore su garder ce que certains appellent la diabolisation. Moi, j'appelle mettre les choses et les gens à leur place. Eh bien, figurez-vous que dans cette ville, quand j'ai discuté avec des amis ou avec des gens que je connais en perspective de cette manifestation, beaucoup m'ont dit que ça les gênait de venir parce qu'il y avait le RN. Donc, je dis pas que... Et quand je dis ça, je parle pas des électeurs RN. Parce qu'on m'a dit, pourquoi tu ostracises les gens qui votent... Non, attendez, je vais suffisamment dans les villes RN, peut-être qu'on en parlera, pour faire le distinguo entre des gens qui votent pour le RN et des gens qui sont à la tête de ce parti. Et moi, je considère que les gens qui sont à la tête du Rassemblement National, parce qu'ils ne sont pas clairs sur ces questions, n'ont pas leur place dans cette manifestation. Mais sur cette ligne, vous n'avez visiblement convaincu ni Yael Braun-Pivet, qui n'a pas dit cela dans l'appel avec Gérard Larcher pour appeler à la marche. Vous n'avez pas convaincu Édouard Philippe, encore une fois. Et si on élargit un peu le spectre, on a entendu Elisabeth Borne, la Première ministre, dire que Marine Le Pen et son groupe respectaient les formes. On a entendu le ministre du Travail, Olivier Dussopt, dire au moment des retraites que Marine Le Pen avait été plus républicaine que d'autres. On a entendu Yael Braun-Pivet souhaiter insister que le Rassemblement National garde ses vice-présidences à l'Assemblée et dire que Sébastien Chenu, RN, n'était pas un bon mais un très bon vice-président de l'Assemblée. Est-ce que depuis un an, vous, au sens large, le camp présidentiel, les soutiens d'Emmanuel Macron, vous n'avez pas participé au fait que finalement, aujourd'hui, le RN se sent autorisé à venir à cette marche ? J'ai combien de temps pour vous répondre, là ? Allez-y. Non, mais d'abord, il ne faut pas tout mélanger. Tout en disant et en assumant ce que je dis sur la manifestation, j'assume aussi le fait que les députés RN, par exemple, ont été élus démocratiquement. Je suis ministre des questions démocratiques. Donc, ils ont vocation à siéger à l'Assemblée et à être représentés dans les instances. Moi, ce que j'ai dit à l'époque, c'est... Ils n'ont pas besoin de notre voix pour avoir des vice-présidences, ne leur donnons pas nos voix. J'étais très clair là-dessus. C'est ce qui a été ce que j'ai dit par un certain nombre de membres. Oui, mais vous connaissez ma position là-dessus à l'époque et je vous la répète bien volontiers aujourd'hui. Ensuite, ce que je dis, c'est que je ne veux pas que nous aidions le Rassemblement National d'une quelconque manière à inscrire son nom dans les tablettes de la loi de ce quinquennat. Et de la même manière que je ne veux pas que nous nous mettions en situation de dépendre des voix du RN pour adopter des textes de loi. Bon, donc, mais n'empêche qu'ils ont le droit de siéger et que je les respecte démocratiquement et que je réponds aux députés RN lorsqu'ils m'interpellent dans l'hémicycle. C'est important, c'est la démocratie. Deux, je respecte les électeurs du RN. Et je comprends que des élus qui sont dans des territoires où le RN est déjà très haut puissent considérer que ostraciser le RN peut revenir à donner le sentiment qu'on ostraciserait les électeurs du RN et que ça ne les aiderait pas à revenir. Bon, je ne critique pas. Moi, ce que je dis, c'est que depuis 15 ans qu'on assiste à la dédiabolisation du RN, est-ce qu'ils ont baissé ? Non.
Moi, j'entendais sous le quinquennat Hollande que si on était capable de mettre de la justice fiscale dans ce pays, eh bien, ça ferait régresser le RN. Ça n'a pas été le cas. Ensuite, j'ai compris que si on atteignait le plein emploi et si on baissait les impôts et si on recréait des services publics, ça les ferait baisser. C'est ce que nous faisons avec efficacité. Ça ne suffit pas à les faire refluer. Donc, je dis juste que à côté de cette politique de l'efficacité, de réinvestir dans les territoires, je veux juste qu'on puisse rappeler aux gens de qui on parle quand on parle de RN. Et je suis désolé de le dire, mais j'ai constaté. Ça n'était pas la question. La question, c'est comment on peut justifier que le RN n'aille pas à une marche pour la République quand depuis un an et demi, sous la 16e législature, on entend, y compris des ministres, dire que leur groupe est républicain. C'est la seule question. Non, moi, je n'ai jamais dit que le RN était pas républicain. Pas vous, mais, certains de vos collègues du gouvernement. Est-ce que c'est une erreur de dire ça? On peut avoir des divergences sur la question. Ça peut arriver. Mais quelle est la position du gouvernement là-dessus, du coup? J'ai toujours dit, et pardon, je 100 mètres de signe égal, parce qu'on sait quelle valeur ça a, je considère que la France insoumise se met en dehors de l'arc républicain, je considère que le Rassemblement national se met en dehors de l'arc républicain. Parlons-en justement, parce donc, que... Je le dis et je l'affirme, donc... Non, mais parlons-en de cette histoire-là. Parce mais pardon, que juste, un point encore. Ouais. En discutant avec des gens qui me disaient, mais finalement, Marine Le Pen, Jean-Marc Bardella, il faut arrêter de s'attaquer à Jean-Marie Le Pen, ça prend pas, enfin, ils ont coupé, etc. J'en dis, mais et c'est là que j'en rappelle. Là, je leur rappelle M. Racheline dans sa Mercedes qui disait la voiture du fureur. C'est là que je leur rappelle le député du Var qui tenait une librairie révisionniste et antisémite et qui est aujourd'hui député à l'Assemblée nationale. Et vous n'êtes pas fait rattraper par Emmanuel Macron qui avait recadré Elisabeth Borne il y a quelques mois parce qu'elle avait dit que c'était un héritier. Le président de la République nous a demandé de ne pas. Enfin, ça a été écrit, je ne sais plus s'il l'avait dit ou non, en tout cas, je n'étais pas là pour assister, mais j'ai lu quelque part qu'il aurait dit qu'il fallait affronter les extrêmes les yeux dans les yeux. Moi, je vais sur le terrain. Moi, je suis allé à Hayange pour apporter au Secours populaire d'Hayange l'argent que le maire RN leur avait sucré et aller les soutenir alors que le maire leur avait coupé l'électricité en plein hiver, les forçant à jeter toute la bouffe qu'il y avait dans le congélateur. 10 ans, à la place du Secours populaire, qui est une association anarcho-communiste, chacun comprendra ce qu'il veut, je veux une association qui aide les bons Français. Je suis allé à Fréjus pour aller rencontrer les hospitaliers, pour aller dans un EHPAD, pour prôner la parole européenne et montrer aux habitants du Var ce que l'Europe investit. Je suis dans un collège, dans un lycée, débattre avec des jeunes. Je suis allé à Perpignan débattre à l'université, à l'invitation d'ailleurs de l'université et des étudiants. Et je ne vais pas me cacher, je me balade en centre-ville. À Fréjus, je suis allé avec Laurence Boone, secrétaire d'État à l'Europe. On est allé jouer à la pétanque avec les gens. On a fait des cafés aux gens. On a discuté. Ça veut dire que le lac qui nous est fait là-bas est bien et il montre que c'est nécessaire. Mais alors, simplement, si on revient à cette histoire de signe égal, pas signe égal, même s'il y a des divergences au sein du gouvernement, on l'a vu, Emmanuel Macron, après la campagne présidentielle de 2022, où il avait cité des slogans de la Ligue révolutionnaire, où il avait fait des appels du pied, on s'en souvient, entre les deux tours aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, très rapidement, pendant la campagne des législatives, il a de nouveau fait sa stratégie de renvoyer dos à dos la gauche unie à l'époque, la NUPES, qui choisissait le communautarisme plutôt que l'universalisme, c'était ses mots, et le projet d'exclusion de l'extrême droite. Résultat, qu'est-ce qu'on a vu dans la manifestation de dimanche? On a vu, et là on ne parle pas de LFI puisqu'il n'était pas présent à cette manifestation, on a vu des élus de votre ancien parti, le Parti Socialiste, des élus écologistes qui ont été hués, sifflés. Qu'a-t-on vu d'autre? Des militants qui venaient avec des pancartes pour lutter contre l'extrême droite, se faire malmener par des militants de la LDJ, de la Ligue de Défense Juive, et écartés par les CRS. Est-ce qu'on n'assiste pas là à une perte totale, complète des repères, et est-ce que vous n'y avez pas finalement, d'une certaine façon, et je ne dis pas forcément de façon malveillante, mais de fait, chacun a des responsabilités là-dedans, participer à cette perte des repères en renvoyant dos à dos des choses quand même qui n'ont rien à voir avec la culture et l'histoire politique, même si je sais que tout ça est censé avoir explosé depuis 2017. En 2017, j'ai fait le choix de quitter ma famille socialiste pour rejoindre Emmanuel Macron. Je l'ai assumé devant des militants qui m'avaient suivi pendant des années. Et j'en étais désolé parce que si beaucoup sont venus, d'autres ne sont pas venus et n'ont pas compris. Mais je leur ai dit, je vais défendre mes valeurs de social-démocrate, de valeurs progressistes, au sein du parti d'Emmanuel Macron et au sein de sa majorité parce que j'estime que c'est la voix qui sera capable de porter cette politique à laquelle je suis attaché à la tête du pays. Ce que je dis aujourd'hui aux socialistes, qui font encore partie de la NUPES et qui n'ont pas coupé avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que le procès qu'ils me faisaient il y a 5 ans d'avoir trahi mon camp, eux ont trahi leurs valeurs. Comprenez-moi. J'ai fait une réponse tout à l'heure à un député LFI dans l'hémicycle en disant « Vous faites monter le RN parce que vous faites peur aux gens. » Moi, ça me désole d'entendre qu'à la manifestation, des gens
très bien et que je connais me disent on a tellement peur de Mélenchon aujourd'hui qu'on se dit qu'on va voter Le Pen. Mais ça vous désole pas que d'anciens élus de votre famille politique se fassent huer ? Ah mais moi je suis, alors je suis démocrate, républicain, je suis pour le respect, je suis contre la violence. Donc tout ce qui va être hué, tout ce qui va être invective, tout ce qui va être injure, tout ce qui va être menace et agression, par définition, vous pouvez considérer que c'est dans le package, je le condamne. Mais est-ce que vous voyez l'effet de sens ? Mais c'est-à-dire les élus de vous avez une gauche qui a toujours porté une parole laïque, qui a porté une parole qui respectait les valeurs républicaines et qui était pour l'inclusion de tous. Bien, cette gauche aujourd'hui, elle est morcelée avec un Jean-Luc Mélenchon qui a entraîné dans sa dérive toute une partie de cette gauche radicale, qui aujourd'hui tient un discours qui est contraire aux valeurs qu'eux-mêmes défendaient il y a une époque. Et je le condamne puissamment, parce qu'ils ont une responsabilité crasse dans ce qui est en train d'arriver dans notre pays. C'est la même chose. Olivier Véran. Je condamne l'extrême droite, je condamne l'extrême gauche pour des raisons différentes, mais regardez, l'extrême gauche vous dit quoi ? L'extrême gauche est en train de M. Mélenchon est en train de dire en fait, on va compter sur la détestation présumée des musulmans pour les juifs, et donc on va aller flatter ça pour récolter de l'électorat. Et vous avez l'extrême droite. Qui dit ça ? Pardon. Mais attendez, excusez-moi. Quand vous avez des députés LFI qui vont en Tunisie expliquer qu'en fait c'est pas le Hamas qui a tué des bébés, mais c'est sans doute Israël qui l'a fait, etc. Lorsque vous avez ces paroles d'une gravité absolue qui sont tenues, je veux dire, on peut être capable de le condamner quand même. Alors, dont acte. On peut être capable. On doit même être capable de le condamner. Évidemment. On doit même être capable de le condamner. Est-ce que vous seriez lorsque vous avez un président de groupe politique qui était troisième à l'élection présidentielle, qui fait des jeux de mots sur le fait de camper, ou qui explique que c'est sous prétexte d'antisémitisme que les Français vont manifester dimanche, c'est une gravité absolue. Si on condamne pas. Si on parle en termes de danger, enfin, moi, ça me scandalise. Je vous assure, ça me scandalise. Laissez-moi parce que c'est des gens avec qui autrefois la gauche était ils font un dégât considérable. Si on parle en termes de danger, d'accord ? On est à 4 ans d'une présidence, elle est un peu moins d'ailleurs. Si on parle en termes de danger aujourd'hui, est-ce que le fait de renvoyer dos à dos la gauche, que je n'exempte pas de responsabilité. Pas la gauche. Et pas la gauche. Bon. Mais non. Laissez-la finir sa question, pardon. Peut-être. En termes de danger. Ça vous arrive de couper. Est-ce que c'est notre rôle. Est-ce qu'on se concentrerait pas sur l'extrême droite aujourd'hui ? C'est une seule question, quoi. Mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais quand je suis à Toulouse, quand je suis à Fréjus vendredi dernier ? Qu'est-ce que je fais quand je prends position très claire mercredi dernier ? Qu'est-ce que je fais quand je réponds dans l'hémicycle semaine après semaine ? Je lutte, je mène cette lutte contre l'extrême droite. Je ne veux pas l'extrême droite à la tête de mon pays. Ils sont non seulement inefficaces, mais ils sont dangereux. Mais je dis aussi que si on n'est pas capable, à un moment donné, de dire aux Français, vous avez aujourd'hui deux extrêmes qui tiennent des discours populistes dangereux, dont un qui prône la violence et qui tente à légitimer le recours à la violence sociale, qu'est-ce qu'ils sont en train de créer comme... Vous avez vu les sondages pour les jeunes de notre pays, bon, qu'ils devaient voter. On n'est vous renvoyez, vous renvoyez dos à dos, et c'est exactement la question de Mélanie. Mais je ne renvoie pas dos à dos, je dis que j'estime que l'arc républicain est assez large, qu'il y a des gens qui sont à gauche, des gens qui sont à droite, qui ont des propositions, des gens qui sont conservateurs, et qui je ne partage pas ça, mais s'ils gagnent, sont dans votre ils ne sont pas... aussi. Parlons de Gérald Darmanin, par exemple. D'accord, mais attendez, vous avez des conservateurs qui ne sont pas dans mon parti, qui ont présenté un candidat, ils ont le droit de mener les campagnes, ils ont le droit de gagner l'élection, ce n'est pas un danger pour la France. Et vous avez des gens qui ont quitté l'arc républicain, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, qui représentent une menace pour notre pays. Je le dis, je l'affirme. Très rapidement, une question là-dessus. Je vous renvoie à un autre épisode. Vous disiez tout à l'heure, on n'aurait pas dû élire des vice-présidents RN à l'Assemblée nationale. Dans l'entre-deux-tours des législatives de 2022, il y a 61 duels entre le RN et la gauche, et votre camp. Seulement, enfin, dans 89% des duels ne donnent pas de consigne de vote entre la gauche et le RN. Et on ne parle pas de Jean-Luc Mélenchon, on parle notamment de la circonscription de Marine Tondelier contre Marine Le Pen, où votre candidate n'a pas donné de consigne de vote, la circonscription de François Ruffin, où votre candidat n'a pas donné de consigne de vote contre le RN. Est-ce que ça aussi, c'était une erreur pour vous ? Moi, je vous le dis de manière très cash, si j'ai un deuxième tour entre le RN et une écolo ou un socialiste, j'irai coller les affiches de l'écolo ou du socialiste. De la même manière que si j'ai un deuxième tour entre un candidat RN et un candidat LR, j'irai, s'il le faut, coller les affiches du LR. Mais LFI, vous abstiendrez. Ben, LFI, je regarderai. Et entre François Ruffin, désolé, mais LFI, je regarderai. Si c'est M. Guiraud qui est capable de sortir les atrocités qu'il sort cette semaine, je regarderai, parce que je ne me sens pas du tout en confiance et je suis en colère contre ces gens-là. Donc sur ton dossier, c'est une erreur. Et que c'est une menace. Il faut être capable de le dire. On n'est pas obligé d'être démagogue. On peut se dire à un moment donné, il y a dans la LFI des gens qui portent des paroles de haine, qui prêchent des paroles qui divisent et qui sont dangereux.
C'est pour ça qu'on ne vous parlait pas de David Guéraud. Moi, je suis médecin, je ne choisis pas entre de Marine Tondelier, de François Ruffin. Est-ce que votre camp a eu tort de ne pas donner de consigne de vote entre ces gens-là et le Rassemblement national? Je n'ai pas à critiquer les décisions qui sont prises par des candidats qui ont été battus au premier tour d'une élection. Je vous ai donné ma conviction à moi, personnelle. Il est que je regarde au cas par cas, mais si j'estime qu'il y a un républicain, qu'il soit de gauche ou de droite, qui s'oppose à un extrême, qu'il soit de gauche ou de droite, j'irai, s'il le faut, coller les affiches. J'étais candidat moi-même et que j'avais été battu. On avance. Donc, je suis très sympa par rapport. Iliès. Non, c'est moi. C'est toi, un collègue du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour ne pas le citer, qui juge Marine Le Pen trop molle, qui fait le lien entre immigration et délinquance, qui préfère le bon sens du boucher charcutier de Tourcoing aux enquêtes sérieuses de l'INSEE, qui est pour la suppression de l'aide médicale d'État, il l'a dit, pour les sans-papiers qui ne peuvent pas se soigner, qui parle d'écoterrorisme, de terrorisme intellectuel d'extrême gauche, d'ensauvagement, qui cite Jacques Bainville, qui était une figure de l'Action française Hamid Moras en pleine Assemblée nationale, et qui accuse Karim Benzema d'être notoirement proche des frères musulmans sans éléments à ce jour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui différencie Gérald Darmanin de la droite extrême à laquelle vous vous opposez et que vous combattez? Pardon, votre façon de poser la question laisse à penser que vous-même ne seriez pas sûr qu'il y ait une distinction à faire entre Gérald Darmanin et l'extrême droite. J'ai dit droite extrême. Droite extrême. Mais la façon dont vous avez posé la question... Non, parce que j'ai dit droite extrême. D'accord, donc ça veut dire, je reformule, la façon avec laquelle vous posez la question pourrait laisser à penser que vous considéreriez qu'il n'y aurait pas de différence entre la politique de Gérald Darmanin et la droite extrême. Je vous réponds, je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord. Je ne suis pas d'accord. Vouloir supprimer l'aide médicale d'État, c'est une mesure. D'abord, il a eu l'occasion de dire il y a deux jours. Il a eu l'occasion de dire il y a deux jours. Après, pardon, ne faites pas. Ne me mettez pas dans la position d'être. Enfin, vous avez le droit en même temps, j'ai accepté de répondre à vos questions. Mais c'est, si vous voulez, Gérald Darmanin, il a une manière de lutter contre le RN avec une grande efficacité, parce qu'il est capable de dissoudre des associations qui sont qui font sécession avec la République, qu'elles soient de radicalité de gauche ou de droite, je pense que c'est important. Il est capable de faire refluer le RN quand il ferme des lieux de prêche radicalisés, lorsqu'il est capable d'expulser avec efficacité des gens qui sont une menace pour notre pays, lorsqu'il réaffirme les valeurs républicaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis ce que fait l'action du ministre de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur, sur l'AME, par exemple, il y a deux jours, il a eu l'occasion de dire qu'il n'était pas favorable à ce qu'on supprime l'AME. Donc, après avoir dit qu'il était personnellement favorable. Moi, je me suis engagé dans le dépassement. On ne comprend pas bien. Le dépassement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je viens de la gauche, lui, il vient de la droite. On s'est combattu de 2012 à 2017. Il y a même des tweets épiques de cette époque, avec des jeux de mots foireux que j'avais fait à l'époque. Bon, passons. Mais il se trouve qu'on s'est combattu. Le mariage pour tous, sur plein de textes, j'étais pas d'accord avec lui. Bon. À un moment donné, le président de la République, il nous a dit: est-ce que vous êtes d'accord pour essayer de travailler ensemble et de trouver un socle, un dénominateur commun qui vous permette de mettre vos qualités respectives, si tant est qu'on en est tous les deux, au service des Français. Moi, je me suis engagé pour ça. Est-ce qu'on est d'accord tout le temps? Non. Non. Sur les salles de consommation à moindre risque, je ne suis pas d'accord avec lui. Sur la question du débat au moins légitime qu'on pourrait avoir sur l'expérimentation d'une forme de dépénalisation encadrée, etc., il y a matière à discuter. En tout cas, on n'aurait pas les mêmes arguments. Et sur la méthode. Bon, il se trouve que par ailleurs, on est d'accord sur plein de choses. Bah, tant mieux. Moi, je suis d'accord quand il ferme des mosquées salafistes. Je suis d'accord quand il expulse des prêcheurs de haine. Je suis d'accord quand il défend la police et la gendarmerie de notre pays qui subissent honnêtement au quotidien des trucs absolument scandaleux. Donc je suis d'accord avec lui sur suffisamment de choses pour qu'on arrive à travailler ensemble. D'accord. En revanche, vous n'auriez pas dit que Marine Le Pen était trop molle, vous n'auriez pas cité Jacques Bainville à l'Assemblée nationale. Il m'est arrivé de ne pas reprendre des mots du ministre de l'Intérieur, même lorsque des journalistes, comme vous le faites, me posaient 5 fois la question sur l'écoterrorisme par ailleurs. Il y a la question des personnalités. Mais pour autant, je suis à l'aise dans un gouvernement de dépassement. Ce choix du dépassement, vous savez, c'est le choix de se dire, en fait, il y a des gens qui ne pensent pas comme nous sur certaines questions, ils n'ont peut-être pas tort par ailleurs, et il faut qu'on puisse travailler ensemble. Et la question du choix du dépassement, c'est jusqu'où, en fait, Ce dépassement n'est pas un grand écart qui finit par... Le dépassement qui nous permet d'avoir un taux de chômage à 7%, qui nous permet d'être le pays le plus attractif, qui nous permet d'avoir baissé les impôts, qui nous permet d'ouvrir 200 casernes de gendarmerie, d'équiper tout le territoire national en fibre numérique haut débit, qui nous permet d'avoir une voix qui porte à l'étranger, qui nous permet d'avoir une planification écologique parmi la plus ambitieuse du monde, ce dépassement, il me rend plutôt fier et donc je suis content d'en faire partie. Il s'assort un peu sur la liberté publique, il y a. Mais quand il faut défendre, c'est sur l'AME, en disant, moi, pas touche. Parce que je sais de quoi je parle. Vous lui avez dit? Bien sûr. À Gérald Darmanin? Oui. Je crois même que je l'avais déjà dit en 2012 quand on était dans des bords opposés. Bon, chacun a le droit de conserver ses convictions. Mais là, aujourd'hui, je pense que l'évolution qui s'est faite me semble plutôt de nature rassurante. Il y a des lignes divergentes et la question, c'est quelle ligne l'emporte au final.
le projet de loi immigration, par exemple, voté aujourd'hui au Sénat il y a quelques heures, voté par le groupe macroniste, qui a voté pour ce texte. Ce texte qui était déjà, on croit Gérald Darmanin, le plus ferme des 40 dernières années, qui a été considérablement durci au Sénat, avec notamment la suppression de l'aide médicale d'État, avec un article 3, donc régularisation dans les métiers en tension, qui a été vidé de sa substance, très largement. Ce texte a été voté par le groupe macroniste. Il revient à l'Assemblée. Vous avez besoin de les voix de la droite pour les faire passer, pour le faire passer 149-3. Est-ce qu'en termes là de dépassement et de débat de ligne, c'est pas la ligne de droite, très à droite, qui l'a emporté ? Alors plusieurs remarques. Un, vous me dites quelle est la ligne qui l'emporte. De façon générale, chez nous, c'est la ligne de l'efficacité et de l'intérêt général. On veut quelque chose d'efficace. Pourquoi je vous dis ça ? C'est marrant parce que dans votre question, vous dites que vous avez besoin des voix de la droite. Ok, c'est quoi l'avis des socialistes et des écologistes en fait sur l'expulsion des prêcheurs de haine, sur le fait qu'on casse les réseaux de passeurs, sur le fait qu'on ne mette plus les enfants dans des centres de rétention administrative et qu'on permette à des travailleurs étrangers qui vivent dans notre pays depuis plusieurs années et qui ne posent pas de problème de pouvoir travailler légalement? C'est quoi le problème de la gauche? Vous leur avez posé la question? Moi, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Ils pensent comme la SMAD, comme logistique, comme beaucoup d'associations qui jugent ce texte éminemment répressif. Je vous réponds. Éminemment, bien sûr. Vous savez pourquoi? Parce que même Gérald Darmanin dit qu'il est... Si on n'est pas porte-parole de la gauche, mais parce en fait, on pose juste des questions. Je sais. Voilà. Et moi, je ne suis pas porte-parole de Gérald Darmanin. Et vous me posez du gouvernement, en l'occurrence, il est chargé de stratégie. On est dans un échange un peu dynamique, donc je me permets. Tout à fait. J'ai perdu le fil de mon truc. Non, qu'est-ce que je dis? Du texte aussi. Non, quand j'étais député socialiste, j'ai écouté des textes qui allaient dans ce sens-là. Et les mêmes qui aujourd'hui disent non, on ne va pas le voter pour des raisons politiques. Enfin, faut le dire les choses. Donc c'est la faute des socialistes. Mais non, je dis juste que l'angle qui consiste à dire il faut forcément qu'on trouve une majorité avec la droite, en fait, on en hérite du fait que la gauche de gouvernement aujourd'hui est tellement paumée qu'elle est incapable de dire qu'elle va voter, qu'elle aurait pu totalement voter il y a quelques années. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au Sénat? Les sénateurs, la droite sénatoriale avait dit no way, pas de texte, vous n'aurez rien, on votera pas. Et puis votre truc de régularisation, on n'en veut pas. À la fin des fins, qu'est-ce qui se passe? Un texte qui est voté. Ah, en plus avec un article qui permet de régulariser les travailleurs étrangers dans les secteurs en tension, etc. Ah, donc il y a eu quoi? Une évolution. Vers la droite. Eh ben, non, pardon. Ah, la droite a évolué. Ok, il y a des trucs qui sont teintés de la droite sur votre... Non, non, mais il y a des choses qui sont teintées de droite et sur lesquelles j'espère qu'on viendra à l'Assemblée très clairement. Et j'en suis assez... C'est ça l'expression? Teinté de droite, c'est une expression parce que c'est le Sénat qui a la majorité à droite, la droite qui a la majorité au Sénat et qu'ils ont décidé de changer le texte comme ils le souhaitaient. C'est leur droit, c'est démocratique. Bon, maintenant le texte il va revenir et donc la majorité présidentielle, elle va revenir sur des dispositions, elle va retravailler le texte pour qu'il ressemble davantage à notre projet de loi initial, qui est un projet de loi qui est encore une fois efficace, qui permet de mieux expulser ceux qui n'ont pas vocation à rester. C'est pas un gros mot de le dire. J'ai compris qu'à gauche aujourd'hui on ne pouvait plus le dire. Mais pardon, on a toujours porté ça. Il y a des gens qui n'ont pas vocation à rester dans le pays, ou parce qu'ils se comportent mal, ou parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions. Et je peux vous garantir que la France est un pays accueillant par ailleurs. Et puis qui permet de bien accueillir et de bien intégrer les gens. On va quand même payer des cours de français pour être sûr que les gens qui arrivent puissent s'intégrer. Ce que la gauche n'a jamais fait. Donc si vous voulez, vous pouvez critiquer le texte parce que la droite au Sénat l'a amendé. C'est leur droit, ils ont la majorité. Maintenant, on va voir ce qui va sortir de l'Assemblée nationale dans un mois. Puis après, on met les députés et les sénateurs ensemble et on trouve un accord. Je vous dis juste que c'est en meilleure voie qu'il y a 15 jours. Est-ce que vous pensez que les référendums doivent être élargis à la question de l'immigration? C'est la demande de la droite. Bah, par principe, j'entends la volonté des Français. Alors, je suis un grand défenseur de la démocratie représentative, c'est-à-dire celle qui passe par les élus. Je suis aussi très sensible à la volonté d'une écrasante majorité de pouvoir voter plus. Donc oui. Donc ils veulent de la démocratie directe. Donc oui. Bah, en fait, quand on dit non, ça veut dire quoi? Si on dit non aux gens quand ils disent on veut voter là-dessus, ça veut dire qu'on dit en fait on a peur de ce que vous allez nous dire. Moi je pense qu'il ne faut pas qu'on donne le sentiment aux Français qu'on aurait peur de ce qu'ils nous diraient. Et donc ouvrir au sociétal, c'est-à-dire sur l'immigration, mais aussi sur la fin de vie, pourquoi pas. Enfin, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'un référendum, parce qu'on a fait une convention citoyenne qui a bien marché. Et vous avez bref, poser des questions aux Français quand ils ont envie de vous répondre. Bah, si les Français me disent j'ai envie de voter, moi je suis plutôt par principe content. Je suis plutôt par principe là, content. J'ai même proposé qu'ils puissent voter plusieurs fois avec des référendums, etc. Parce qu'il faut qu'on continue d'innover. Et le président, il a innové. Là, c'est surtout une demande de la droite et de l'extrême droite, le référendum sur l'immigration. Mais attention, parce que parfois, il y a de la confusion. Dire s'il y avait un référendum sur l'immigration, ça ne veut pas dire qu'on va poser la question aux Français, est-ce que vous êtes pour ou contre l'immigration? Ça veut dire qu'on présente un projet de loi gouvernemental, ficelé, qu'on met à référendum des Français pour qu'ils disent oui ou non. Par exemple, on aurait pu décider, enfin si la Constitution l'avait permis et qu'on l'avait décidé, ainsi présenter le projet de loi initial du gouvernement avec ses deux grands axes,
au référendum des Français. Et ils auraient voté oui ou non. Donc les gens qui vous disent ça va ouvrir des boîtes de Pandore terribles, etc., en fait, ça n'ouvre les boîtes de Pandore que le gouvernement aurait ouvert lui-même. En l'occurrence, ce n'est pas notre façon de procéder. Donc vous êtes favorable à cette demande majeure de LR en ce moment ? Non, mais pas que des LR, en fait, les Français. Regardez les enquêtes d'opinion, 85% des Français veulent les référendums. Les enquêtes d'opinion. Pour passer à... C'est une philosophie ? Oui, on ne commande ni ne commentons des sondages, mais c'est pas très important. Non, mais ça paraît très bien. Par contre, vous pouvez commenter Agora, j'en profite, je fais aussi un peu de pub. On va en parler. C'est en publicité. Allons-y. Yes. Avant de parler d'Agora. Si on garde le meilleur pour la fin, alors. Oui, voilà. Non, on a d'autres questions. Élargir sur ces questions d'immigration et parler de questions démocratiques et de ce qui se passe actuellement dans la société. Ouais. Pour revenir un petit peu au conflit israélo-palestinien, il y a eu des manifestations pro-palestiniennes qui ont été interdites. On a aujourd'hui une partie de la société, une partie de la jeunesse, notamment musulmane, qui a voulu manifester son soutien à la cause palestinienne, à qui on l'a interdit, qu'on a soupçonné, parfois, et je cite même le ministère de l'Intérieur, en l'occurrence, de se réjouir ou d'excuser les actions du Hamas. On l'a accusé à la télévision d'être le principal coupable de la montée de l'antisémitisme en France. On a entendu l'expression, pas de la bouche du gouvernement, évidemment d'un éditorialiste, d'antisémitisme couscous. Ma question, c'est sur le climat en fait, actuel d'islamophobie, de stigmatisation des musulmans de ce pays. Est-ce que ça vous dérange, d'une part, et est-ce que vous vous y accordez une part de responsabilité ? Moi, je suis contre toute forme de discrimination. Je ne le comprends pas. C'est pas dans mon logiciel. Il y a des choses qui font pas partie de mon logiciel. Peut-être parce que j'ai été éduqué comme ça, peut-être parce que je suis né comme ça, mais le recours à la violence. On parle porte-parole. La haine des uns et d'autres. En tant que citoyen, on parle porte-parole du gouvernement. Mettez-moi une casquette et puis changez-moi les questions. Vous êtes sympa. Je vous réponds. La question d'Ilias, c'est est-ce que vous sentez une réflexion ? Je vous dis juste que je ne comprends pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Et dans un pays comme la France, en 2023... Mais nous aussi, on est tous contre. De manière générale, je ne comprends pas les discriminations. Donc, les gens qui sont victimes de discrimination en raison de leur religion, de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexualité, etc., de ce qu'ils aiment manger ou non, je trouve ça débile. Débile. Est-ce qu'il y a des discriminations dans notre pays ? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui sont victimes de cette discrimination ? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui sont victimes de discrimination à raison de leur religion ? Oui. La question, c'est fallait-il interdire des manifestations ? Évidemment. Non, mais la question, c'est sur les manifestations. Mais la question d'une. Alors, vous savez que. Cette idée de dire ce sont forcément des gens qui soutiennent. Parce que l'idée, c'était quand même, au préalable, de les interdire toutes. C'était ça la volonté du Conseil d'État a retoqué. En un, je veux faire une manif, je la déclare. En deux, j'attends l'autorisation du préfet. En trois, le préfet autorise, tout va bien. Le préfet interdit, je fais un recours au tribunal administratif. Mais c'est du droit administratif. En quatre, là, vous comprenez une question politique. Mais pourquoi vous voulez qu'on change les règles de fonctionnement du droit pour une situation plutôt que pour une autre ? Ça vous scandaliserait si on ne respectait pas les règles du droit de base. La question, c'est Gérald Darmanin dit on doit interdire toutes les manifestations. Oui, à chaud, lorsque vous avez eu les attentats. Donc ça, c'est une erreur. Lorsqu'Israël est victime d'attentats le 7 octobre et que deux jours plus tard, vous avez des associations politiques qui commencent à vous dire on va aller faire des manifs, etc., pour des raisons de sécurité publique, vous faites attention. Vous faites attention. Et en France, on n'a pas eu à déplorer, comme certains pays autour de nous en Europe, des manifestations qui dégénèrent avec des choses qui font du mal aux gens. Donc oui, on interdit. Et lorsque les gens ne sont pas d'accord avec cette décision, ils font un recours au tribunal administratif. Et si le tribunal leur dit « vous avez le droit de manifester », eh bien ils ont le droit de manifester. En l'occurrence, l'interdiction systématique n'est pas conforme au droit, mais le Conseil d'État a retoqué. Mais c'est une formule de style, si vous voulez. Mais de toute façon, chaque manifestation interdite peut faire un recours au TA. Et si le TA dit « vous pouvez manifester », vous pouvez manifester. Ce qu'ils ont fait, le Conseil d'État a jugé que c'était pas conforme au droit administratif. Sur les questions. Et pardon, pourquoi aussi ? Parce qu'on a aussi en mémoire, dans notre pays, il ne faut pas l'oublier, ce qui s'est passé à chaque fois qu'il y a eu des drames qui ont pris une ampleur en Israël. 2014, je suis désolé, si vous l'avez oublié, je le rappelle bien volontiers, une synagogue est encerclée à Sarcelles par des centaines d'individus qui menacent les gens. Donc, dans cette période aiguë, on fait attention et on protège les plus fragiles. Enfin, je pense que c'est de bonne politique. Yes. Vous m'avez pas répondu très rapidement, vous m'avez pas répondu sur l'existence ou non d'un climat de haine, de discrimination à l'égard des musulmans en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Mais je vous ai dit qu'il y a des discriminations et qu'il y a des gens qui se détestent et pour des mauvaises raisons. Pardon, mais vous mouillez pas beaucoup en répondant ça. Il y a évidemment des discriminations pas ma réponse. Partout en France. Elle vous engueule pas quand vous me coupez. Non, mais je vous engueule à chaque fois. Allez, avançons. J'ai plein de questions à vous poser. Ok, en tout cas là, vous ne posez pas la même question. Mais je vous réponds si vous voulez.
il y a des discriminations et il y a du racisme dans notre pays. Il y a, je ne dis pas que les Français sont racistes, je dis qu'il existe du racisme et qu'il y a de la peur aussi qui est mal localisée. Il y a des gens qui confondent l'islam et l'islamisme. Il y a des gens qui confondent le fait de pratiquer sa religion musulmane avec le fait de vouloir mettre des bombes. Et c'est débile et il faut le condamner. Et je suis désolé pour toutes les victimes de cela. Oui, oui. Vous êtes ministre du Renouveau démocratique. Une petite question sur ce fameux Renouveau démocratique qui a eu le 17e 49-3. Hier, la 17e utilisation du 49-3 au Parlement, c'était pour la loi de programmation des finances publiques. Est-ce que gouverner finalement avec cet instrument qui contourne, qui brutalise d'une certaine manière le Parlement, ça contribue au Renouveau démocratique? Alors sinon, on fait comment? C'est une question rhétorique. Vous avez peut-être que les gens attendent la réponse. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, si on ne vote pas le budget, si on n'adopte pas un budget, qu'est-ce qui se passe au 31 décembre? Ça, c'est du factuel que je vous pose comme question. Il n'y a plus rien qui fonctionne dans le pays. Donc, on doit adopter un budget avant le 31 décembre. Vous pouvez adopter un budget par ordonnance. Ça n'existe pas, le shutdown en France. Parce que vous trouvez que c'est plus démocratique, un budget par ordonnance. Ah non, mais c'est pas vrai, mais c'est faux. Ah, je préfère le 43. Au moins, parce que le 43, au moins, vous remettez votre confiance devant le Parlement qui peut décider de vous faire sauter. Là, l'ordonnance, je veux dire, il n'y a pas de risque. Bon. Donc, vous avez besoin d'un budget. Et il se trouve qu'on est en majorité relative. Et que quand on compte, 577 députés divisés par 2, ça fait plus que les 250 députés de majorité qu'on a. Et donc, il faut qu'on trouve des gens pour jouer avec nous. Et on en trouve beaucoup, sur quasiment tous les textes, mais sur les textes de budget, par définition, on n'en trouve pas. D'ailleurs, ils le disent avant même... Oui, mais sur le, est-ce que ça la retraite, crée pas question. Une énorme défiance avant même que moi je sois capable de dire ce qu'il y a dans le budget, les mecs en face disent de toute façon on ne votera pas. Est-ce que donc, ça ne crée pas une énorme défiance démocratique? Mais la défiance démocratique, vous savez, à la rigueur, les Français, ils ont décidé de nous donner une majorité relative. Moi, j'aurais préféré une majorité absolue, c'est plus confortable. Mais ils ont décidé de nous donner une majorité relative. Donc, ils nous ont dit, au mois de juin d'il y a un an et quelques, ils nous ont dit, vous allez vous débrouiller pour gouverner avec les autres. Et vous n'aurez pas tous les pouvoirs. Je l'entends. Et je trouve ça plutôt sport. Et la plupart du temps, on y arrive, heureusement. Mais sur des textes de budget, si un député, si le groupe LR avait voté le budget, vous me diriez, ah ben les LR font partie de la majorité. Et vous auriez raison. Si les socialistes décidaient de voter le budget de la Sécu, vous diriez, ben les socialistes font partie de la majorité. Et vous auriez raison. Sauf que ni les uns ni les autres ne font partie de la major. Donc sur les budgets, oui, on a besoin de 49-3. Sur la réforme des retraites. Vous avez dit, sur la réforme des retraites, c'est autre chose. Vous avez parlé de Agora, la fameuse application que vous avez lancée pour discuter directement avec... Disponible gratuitement sur toutes les plateformes de téléchargement. Bien sûr, le moment pub avec les citoyens. Il y a quelques mois... Je ne gagne rien, hein, personnellement, mais je trouve que c'est bien pour la démocratie. Mais pour la démocratie, c'est important aussi. Il y a quelques mois, il y a des millions de citoyens qui avaient justement envie de discuter avec vous, qui étaient soutenus par l'ensemble des syndicats, qui avaient un gros message à vous faire passer et qu'ils ont essayé en vain de faire passer dans la rue, dans les médias, à peu près partout, y compris au Conseil constitutionnel. Est-ce que ce n'était pas, au-delà de l'application, le moment de discuter avec eux? Bon, d'abord, on a discuté avec eux. Et on a discuté avec les syndicats, etc. Mais vous avez un syndicat qui est un syndicat réformiste qui s'est vu lui-même dans l'incapacité, envoyé par ses mandants, de pouvoir discuter sur un recul de l'âge. Donc les conditions n'étaient pas simples. Je comprends votre question et croyez-moi, je l'ai bien compris et je l'ai bien perçu et je l'ai bien ressenti, l'énervement d'une partie de la population, partie importante de la population, qui considérait que ni sur le fond ni sur la forme, ce que nous avions fait allait. Maintenant... Quand je vous ai parlé de démocratie représentative tout à l'heure en vous disant que j'y tenais, c'est que la démocratie représentative, c'est le 50+1. C'est-à-dire que vous êtes élu par 50 plus 1% des voix. Il vous faut au minimum 50% plus une voix. Et là, vous êtes en mesure de prendre des décisions. Et parfois, les décisions, elles sont impopulaires. Alors, on fait tout ce qu'on peut pour les expliquer, pour essayer d'amoindrir le choc, etc. Et parfois, ça ne passe pas. Ce n'est pas passé sur la question des retraites. J'aurais préféré que ça passe et qu'on puisse se faire comprendre davantage. C'est une réforme qui n'est pas populaire. Et c'est la deuxième que je vote. Celle que j'avais votée, c'était sous le gouvernement socialiste, où on avait augmenté d'une année les années de cotisation. Je vais simplement reformuler ma question. Puisque vous êtes ministre en charge du renouveau démocratique, je reformule. On se soucie tous collectivement, année après année, les responsables politiques les premiers, des taux d'abstention grandissants à chaque élection, intermédiaire, présidentielle, etc. Or, là, il y a des gens qui ont voté pour les législatives, qui ont élu leurs représentants, parce que la démocratie représentative, c'est aussi au Parlement. Ça n'est pas simplement l'élection présidentielle. Or, ces personnes-là, sur une réforme d'ampleur, la plus grande, finalement, réforme sociale de ce quinquennat, ils n'ont pas eu la possibilité de débattre longuement, parce que vous avez choisi un... Longuement ?
vous avez choisi un véhicule législatif et vous le savez très bien. Pourquoi passer une réforme des retraites par un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale? C'est très pénible à dire. Pourquoi faire ça? Vous le prononcez très bien. Je vous remercie. Pourquoi faire ça et pourquoi, in fine, le terminer en 49-3, c'est-à-dire sans vote du Parlement? Vous comprenez bien que tout ça, pour des gens qui sont dans la rue, ça ne peut qu'éloigner encore un peu plus des urnes. Vous ne m'apprenez rien, j'ai parfaitement conscience qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous. Ensuite, sur la question démocratique, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour un député LR qui leur disait qu'il ferait la retraite à 65 ans. Bon, et ben les députés LR, au moment de voter, ils ont dit, finalement, nous, on a piscine. Parce qu'on ne va pas endosser ce truc-là. Donc on pourrait discuter éternellement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, où est la déroute démocratique? Elle est aussi peut-être dans le fait que des gens qui s'engagent sur un programme ne respectent pas une fois qu'ils ont leur mandat. Bon, ensuite, quand vous dites qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de débat, on a eu beaucoup plus de temps de débat que pour n'importe quelle réforme des retraites, et ça a débattu. Quand vous avez 15 000 ou je ne sais plus combien il y avait d'amendements, des milliers d'amendements, ça s'appelle de l'obstruction. Vous ne regrettez pas à aucun moment la façon dont ça se passe? Peut-être qu'on refera le film a posteriori, qu'on se dira que... Je vous dis juste qu'il y avait une annonce qui était faite dans la campagne présidentielle. Je ne dis pas que les gens ont voté pour nous pour ça, mais je dis que c'est quelque chose qui avait été dit et annoncé. Est-ce que c'est sur le fond, est-ce que c'est nécessaire? Moi, je considère que oui, et c'est l'ancien rapporteur de la sécurité sociale qui le dit. Est-ce qu'il y avait d'autres moyens de fonctionner? Franchement, on a vraiment essayé pendant des mois et des mois de convaincre des gens qui, à la base, étaient d'accord avec nous de rester d'accord. Valentine. Alors. Je comprends, encore une fois, je comprends que ce que vous me dites, on me l'a dit 20 000 fois, et je l'entends, et j'engueule pas les gens quand ils me le disent. Je comprends parfaitement ça. Alors. Valentine. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 2 mois, vous vous êtes engagé à nous répondre sur le cas d'Ariane Lavrieux. Alors, je ne vous repasse pas la séquence, mais une de nos journalistes était venue en conseil des ministres vous interroger sur le cas de cette journaliste qui a enquêté sur l'opération Sirli ou comment l'utilisation d'outils de renseignement français par l'Égypte ont conduit à cibler et tuer des opposants ou des civils. Pour ces révélations d'intérêt public, Ariane Lavrieux a été perquisitionnée, mise en garde à vue, a dormi en cellule. On vous a questionné sur son cas quelques jours avant les états généraux de l'information qui sont censés garantir davantage le droit fondamental de l'information des citoyens. Quand on vous a interrogé, vous n'aviez pas grand-chose à nous dire sur le cas d'Ariane Lavrieux. J'imagine que depuis 2 mois, vous pouvez nous dire, est-ce que c'est normal est arrivé à cette journaliste? D'abord, je n'ai pas réponse à tout. Et c'est bien vrai, sûr. C'est le conseil du conseil aujourd'hui. C'est quand même le moment où vous êtes debout face à 50 journalistes qui ont 200 questions. Et c'est fort impressionnant, j'imagine. Alors, le cas d'Ariane Lavrieux. Mais de temps en temps, c'est compliqué. D'ailleurs, pardon, je vais vous répondre. J'ai dit juste une boulette factuelle que je veux rectifier. Parce que c'est pas 122 Français qui ont été extraits de la bande de Gaza, c'est 112. Voilà. 112, très bien. Comme ça, 112 Français extraits. Et il en reste quelques dizaines. Allez-y, sur Ariane Lavrieux. La question c'est, est-ce que c'est normal qu'une journaliste qui révèle des informations d'intérêt public passe une nuit, voire deux, dans une cellule après une perquisition de son domicile dès l'aube? Présenté comme ça, non? Bon, maintenant, si on c'est regarde. C'est déjà bien de le dire. Non, mais si on regarde les choses. C'est ça qui s'est passé. La question d'après. La question de votre journaliste, c'est pas celle-là. La question de votre journaliste, non. Non, je vous parle on parle pas de ça, magnéto. On parle du fond. Okay. Là, je vous ai dit présenté comme ça, parce que c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu, d'abord, c'est un ancien ministre de la Défense qui a fait une saisine de l'article 40, c'est pas l'actuel ministre de la Défense, c'est que ça remonte à un certain nombre d'années, qui a fait une saisine d'article 40, si j'ai bien compris le fond, pour publication de données classées secret de défense, ce qui est interdit pour vous et c'est interdit pour moi. Moi, ministre, si je publie des activités secret de défense, je vais avoir la même chose. Le parquet s'est saisi de cela et un procureur a décidé d'entendre cette journaliste, comme il aurait pu entendre un ministre, comme il aurait pu entendre n'importe quel citoyen. Quel est le but de cette procédure, selon vous? Cette procédure, c'est une saisine du parquet. Mais quel est le but de cette procédure, selon vous? Mais c'est la police judiciaire qui fait son travail. Je n'ai pas à commenter. Vous entendez bien qu'en tant que journaliste, on n'est pas tenu au secret défense. Laissez-moi vous expliquer. Si vous n'avez pas le droit, mais après, je Non, on n'est pas tenu au secret de l'instruction. Mais je vous dis, on n'est pas tenu au secret de l'instruction. Vous êtes tenu de ne pas publier des documents classés secret. Mais vous vous doutez bien que si on ne devait publier que ce que nous étions autorisés à publier, tout un tas d'informations d'intérêt général ne seraient pas dans nos colonnes. Et d'ailleurs, vous notez qu'il y a beaucoup de choses que vous publiez qui sont d'intérêt général sans doute et qui relèvent du secret défense et que vous n'êtes pas entendu sur demande d'un procureur. Donc la question, c'est est-ce que c'est le politique qui décide d'entendre un journaliste? Non. Est-ce que c'est un politique? C'est normal. Est-ce que c'est Ariane Lavrieux en prison? La question que vous posez. T'es pas en prison. La question que vous me posez, c'est est-ce que j'ai ou non vocation à critiquer l'action de la police judiciaire et du parquet?
Est-ce que vous ou moi, on a vocation à critiquer l'action? Non, c'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on demande, c'est de commenter un principe général, de primauté de l'information d'intérêt général. Mais ça veut dire quoi? Pardon, moi j'ai été perquisitionné à 6h du matin, il n'y a personne qui dit c'est un ministre en activité. Est-ce que c'est une manière de faire pression? Personne ne s'est posé la question. On est tous soumis aux mêmes règles. Enfin, on peut rendre des comptes à la justice de temps en temps. C'est pas parce qu'on est journaliste qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire? Je respecte totalement le journalisme et la liberté de la presse, évidemment. Mais enfin, là, ce qui est reproché à cette personne, c'est pas un problème de rédaction, c'est un parquet qui décide de l'entendre pour des faits qui lui sont reprochés par le parquet. Et c'est une enquête de police judiciaire. Monsieur le ministre, moi, ministre, vous voyez bien qu'il y a deux, principes. C'est la justice, par définition, elle est indépendante. Olivier Véran. Ça ne veut pas dire que je trouve. Parquet qui est sous l'autorité. Ah non, 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 Olivier Véran, quand le parquet s'agit envoie la police judiciaire, c'est pas sous l'autorité, c'est pas le ministre qui le décide. Olivier Véran, je pense qu'en l'occurrence, on parle carrément d'une instruction, c'est-à-dire il y a une information judiciaire est ouverte avec un juge du siège qui a diligenté cette perquisition, et autorisée par le parquet peut-être. Et là, je m'embrouille peut-être en procédure pénale, mais peu importe. La question fait, c'est le parquet qui saisit et la police judiciaire. On était dans le cas d'une instruction judiciaire à ce stade, plus en enquête préliminaire, en tout cas, ça c'est une certitude. Monsieur le ministre, là, la question qui est posée, on entend bien qu'effectivement, il y a deux principes qui s'affrontent, le principe du secret de la défense nationale, avec ce qui peut aller avec et de légitime, de protection des agents sur le terrain, de secrets qui peuvent être importants. Et puis il y a la question du droit fondamental de l'information des citoyens, qui est un droit constitutionnel. Donc quand on a ces... Quelles réflexions politiques vous pouvez nous apporter ce soir sur la capacité à juger au cas par cas et à préserver ce droit fondamental à l'information des citoyens et à ne pas nous condamner, si je puis me permettre, à recopier des communiqués de presse. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais d'abord, c'est pas ce que vous faites. Et si je viens, parce qu'on ne respecte pas tous ces secrets. La petite minute. Vous voyez ? La petite minute. C'est ça le truc. La petite minute de promo pour vous, c'est si je viens, c'est que parfois vous m'agacez dans la manière dont vous abordez les choses. Pas vous en tant que journaliste, mais dans la rédaction de Mediapart. Mais je respecte infiniment votre travail. Parce que je pense qu'il y a un travail de fond qui est fourni et qui n'est pas superficiel et que c'est important. Donc voilà, je le dis ici. Si vous ne pouvez pas dire que je suis d'accord avec la ligne éditoriale et que je trouve souvent que c'est très injuste, mais voilà, c'est comme ça. Je respecte votre travail et je me battrai pour que vous puissiez travailler, même si vous devez écrire des choses méchantes sur moi. Donc je me battrai pour ça. Donc je me battrai pour la liberté de la presse. Et c'est fondamental dans notre pays et c'est pour ça qu'on a une belle démocratie. Maintenant, il y a des lois. Alors si les lois ne nous vont pas, c'est-à-dire que si on considère qu'il faudrait une loi qui dise que quoi qu'écrive un journaliste et quoi qu'il publie, quelles que soient les conditions dans lesquelles il obtient des informations et qu'il les publie, et quelles que soient les conséquences de ce qu'il décide de publier, il ne peut pas être inquiété par la justice. Dans ce cas-là, proposer des amendements à la loi des députés. Mais la loi aujourd'hui, je n'ai pas à m'en affranchir. Elle existe. Et elle est valable pour vous, elle est valable pour moi. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas libre de travailler, que vous n'êtes pas libre de travailler. Sur les états généraux de l'information qui vont brasser beaucoup de sujets, il y a un sujet parmi les sujets qui nous intéresse énormément, et j'imagine vous aussi en termes de renouveau démocratique, c'est la question de la concentration médiatique. On l'a vu notamment, il y a eu une explosion de médias issus droite extrême, extrême droite, notamment sous l'égide de Vincent Bolloré, je parle de CNews, d'Europe 1, du JDD. D'ailleurs, c'est ma question. Est-ce que vous, vous iriez faire un entretien, accorder un entretien au journal du dimanche dirigé par Geoffroy Lejeune, ancien directeur de Valeurs Actuelles ? Moi, pendant 2 ans et demi, je n'ai pas mis les pieds sur CNews. Toute la période où j'étais ministre de la Santé. Parce que j'avais dit, c'est ou Perron ou moi. Une façon de dire, la ligne éditoriale, je vais pas, les paroles ne se valent pas. En l'occurrence, il y a une crise sanitaire, les conséquences sont trop graves. Ensuite, je suis devenu porte-parole du gouvernement. Et porte-parole du gouvernement, je choisis a priori pas les médias dans lesquels je vais parler. Parce que si je décide de faire du tri de médias, c'est un petit peu compliqué, on pourrait me reprocher ça d'un point de vue éthique. Donc j'essaye d'aller dans un maximum de médias, ce qui ne veut pas dire que j'en partage la ligne, etc. Mais ça veut dire que mais vous connaissez néanmoins, parce qu'on n'a pas été nombreux à le faire, mon inclinaison naturelle et l'éthique que je me suis fixée dans mes responsabilités politiques, qui consiste à choisir les endroits où je vais parler. La fonction de porte-parole, encore une fois, parfois, elle peut l'emporter sur mes considérations personnelles. Donc, je ne sais pas si j'irai ou non un jour en interview dans le JDD. Ça peut arriver. Ça ne dit rien de mes convictions personnelles. Ça dit toute ma fonction. De la même manière que vous pouvez être amené à interroger des gens que vous appréciez, ou pas, mais vous pouvez interroger des gens qui ne sont pas du tout votre cam politiquement, mais que vous allez interroger et que vous allez peut-être mettre en exergue. Vous décidez par principe de ne pas y aller. On peut entendre aussi la. C'est aussi possible, c'est une option, je veux dire. Ouais, enfin, quand vous êtes porte-parole, c'est le genre d'option qui se restreint un peu, en fait. Parce que si j'ai. Donc c'est un choix. Et puis pas de médecin. Pardon. Moi, je n'ai aucun. J'ai vocation à pouvoir m'exprimer pour que toutes les personnes
quels que soient les médias qu'ils consultent, dès lors que c'est pas des trucs russes et compagnie. Je n'irai jamais, par exemple, j'irai jamais sur Sud Radio. J'y suis pas allé, j'ai toujours refusé, etc. Parce que c'était proche d'RT, etc. J'aime pas ça. Et puis, ils ont des c'est absolument impossible. Donc ça veut dire que vous pouvez choisir de temps en temps. Ça ne m'empêche pas d'aller faire. Bah, même comme porte-parole. Là, parce que là, c'est au-dessus de mes forces. parce que j'avais parlé. Qu'est-ce que tu veux? Sud Radio. Dans la radio. Mais par contre, JDD, le front jeune, ça va. C'est un camoulox définitif, quoi. D'accord. Ça. Non, pardon. J'ai pas dit que JDD. Mais j'ai pas dit que. Pourquoi pas? J'ai pas dit que j'y allais. Je n'insulte pas l'avenir. Mais j'y suis pas allé encore, je crois. Non. Et encore une fois, vous me posez la question alors que je suis le seul. Comme ça, si on vous y voit dedans, on sera pas étonné. Où j'ai pas pu y aller. Valentine. Il n'empêche que j'ai des journalistes qui peuvent travailler sur des chaînes. Quand je suis interviewé en matinale par Laurence Ferrari, c'est une journaliste de qualité. Le travail rédactionnel qu'elle mène est un travail de qualité. Je me sens pas dans une mauvaise place. Et c'est pareil. C'est très compliqué. Puis j'ai pas non plus envie de donner le sentiment que je choisirais les journalistes. Enfin, vous me posez des questions tout à l'heure pour la liberté d'exercer leur boulot. Si on commence à dire que tel journaliste, en fait, il n'a plus le droit d'interviewer tel ou tel politique, je ne sais pas, ça pose d'autres... J'ai ce débat avec mon équipe, en fait. On parle plus des états-majors et de leur actionnaire. En fait, c'est un vrai débat. J'ai un débat avec moi-même devant vous, là. Mais très bien. Non, mais vous voulez savoir de le solder, de revenir nous voir. En fait, on parle de la même chose depuis tout à l'heure, on parle de principe. Par exemple, j'accepte de venir chez vous, il n'y a pas beaucoup de ministres qui viennent chez vous. Et peut-être que demain, on me dira, mais qu'est-ce que vous allez foutre chez Mediapart? Vous ne comparez pas au JDD, quand même, rassurez-moi. Alors, vous n'envoyez pas dos à dos des médias d'extrême-droite. Je ne mets pas de signégal entre Mediapart et le JDD, rassurez-vous. Mais ce que je vais vous dire... Ce que je veux vous dire, c'est que... Quand même, mais pardon, où vous considérez que tout le monde a vocation à vous aimer, à adorer votre travail, et que si on n'est pas d'accord, c'est une question personnelle. On s'en fiche, on ne peut pas accepter l'idée qu'il y a des gens qui n'apprécient pas ce que vous avez écrit sur eux. Tout va bien pour nous, merci. Voilà. Tout va bien. Il y a des gens qui peuvent ne pas avoir apprécié ce que vous avez écrit sur eux et qui peuvent être scandalisés par le fait de me voir aujourd'hui chez vous. Et que peut-être qu'ils m'en parleront demain parce qu'ils diront qu'ils ont écrit des trucs dégueux, injustes, etc. Voilà, moi j'essaye de ne pas faire le. Et nous notons que vous avez accepté notre invitation et que vous êtes là ce soir. Voilà. Alors, le renouveau démocratique, c'est aussi une première qui fait un peu tâche. Pour la première fois dans l'histoire politique et judiciaire française, le ministre de la Justice en fonction est jugé pour prise illégale d'intérêt, pour avoir présumément détourné les moyens de son ministère afin de se venger de magistrats anticorruption avec lesquels il avait un différend. On parle d'Éric Dupond-Moretti, un ancien ministre. Alain Griset a été jugé tout en étant ministre et condamné. Et le ministre du Travail, Olivier Dussopt, va être jugé à la fin du mois tout en étant en fonction pour favoritisme. Comment ça se passe le renouveau démocratique, monsieur le ministre du renouveau démocratique? Quel rapport avec la choucroute? Je comprends que vous passiez la question et je vais y répondre. C'est-à-dire que... Enfin, faites pas le lien entre la question des institutions, de la réforme de la démocratie directe, avec la question d'enquête de justice qui, pour certaines d'entre elles, et heureusement, donne d'ailleurs lieu à des non-lieux. Il y a aussi des ministres qui ont quitté le gouvernement en quelques semaines parce qu'ils étaient interrogés par la justice, ils leur étaient rien reproché au final, et leur carrière politique s'est arrêtée. On est le pays, quand même, qui... Donc pour vous, il n'y a pas de problème au fait qu'Éric Dupond-Moretti soit en poste, soit en procès et en poste? Il n'y a pas de souci. Je vous fais ma réponse. D'abord, vous notez qu'il y a beaucoup, et quels que soient les bords politiques concernés, il y a beaucoup de responsables politiques de haut rang qui sont interrogés par la justice dans notre pays, ce qui veut dire que la justice dans notre pays, elle est libre. Je disais tout à l'heure... chez moi, on m'a frappé à ma porte à 6h du matin, en pleine crise Covid, en plein état d'urgence sanitaire, pour regarder si j'avais planqué des masques sous le lit. Donc je vous dis que je peux attester du fait que la justice, elle fonctionne, et elle sait aussi fonctionner quand c'est les politiques. Bon, est-ce que le fait d'être entendu par la justice, ou le fait d'être jugé par la justice, fait de vous un coupable? Pas plus quand vous êtes politique que quand vous êtes pas politique. Et attendez, et heureusement. Donc, est-ce qu'on doit quitter son job quand on est entendu par la politique? Est-ce qu'on doit, par la justice? Est-ce qu'on doit quitter ses fonctions et ses responsabilités dès lors? Je vous dis, extrapolons un peu les trucs, et disons qu'on vit dans une société où quand la justice vous entend, ben vous arrêtez votre métier. Et on verra bien plus tard. Ben non. Là, vous me parlez de présomption d'innocence, en quelque sorte. Bien sûr. Bah, écoutez, nous, on le rappelle à longueur d'article. Je sais, d'innocence. Pour ça que j'ai étonné. C'est quoi la présomption d'innocence? Je suis étonné que vous ne défendiez pas la possibilité d'un ministre de rester ministre tant qu'il n'a pas été condamné. Emmanuel Macron lui-même disait le contraire en 2017. Pardon. On est d'accord avec ça. Mais depuis, en fait, pourquoi vous n'avez pas expliqué le changement de doctrine? Il y a eu des gens, je vais parler de mon copain Richard Ferrand, qui a quitté le gouvernement en quelques semaines parce qu'il avait été entendu par la justice et qu'il a dû partir et qu'il a été innocenté. Le fait est que ce n'est pas nous qui avons... Est-ce qu'on veut un pays où il y a des gens qui ont leur vie professionnelle qui s'inquiètent? Ce n'est pas nous qui avons énoncé cette doctrine. C'est Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle de 2017.
Elle a donc évolué. Ben, la doctrine a évolué par la pratique, en fait. Alors, il y a une accélération aussi des procédures qui sont lancées à l'encontre, pas que de nous. Donc il y a trop de procédures, donc on ne peut pas enlever tout le gouvernement. C'est aussi pour ça qu'on a créé une autorité de la transparence pour la vie publique. C'est aussi pour ça que ma déclaration d'impôt, mon patrimoine, la marque de ma bagnole et le nombre de kilomètres est disponible si vous le souhaitez sur Internet. Parce qu'on évolue en matière de transparence. Mais du coup, on doit aussi protéger les gens qui s'engagent. Parce que si on dit aux gens qui s'engagent, engagez-vous dans la politique, non seulement derrière pendant 3 ans, vous ne pourrez pas bosser dans le privé, mais en plus, vous allez vous retrouver, votre vie va être épiée, balancée dans la presse. Et en plus, si la justice vous inquiète, vous devez tout plaquer. Ben si, il faut aussi protéger les élus. Je ne parle pas de nous là, je parle des élus en général. Olivier Véran, pardon, juste la présomption d'innocence, pardon, de remettre un peu les choses carrées, c'est un concept juridique qui empêche de présenter quiconque comme coupable pénalement tant qu'il n'a pas été condamné définitivement. Vous en avez fait un bouclier pour ne pas penser à la responsabilité politique et éthique. Est-ce qu'il est responsable et éthique de maintenir en poste, pendant son procès, un ministre, le ministre de la Justice, qui est poursuivi pour des faits commis dans l'exercice, par ailleurs, de ses fonctions. Est-ce qu'il serait et on parle d'atteinte à la probité. Est-ce qu'il serait juste, éthique et rassurant pour une société qu'elle décide que toute personne qui est inquiétée par la justice doit arrêter ses fonctions? Pardon. Si Olivier Dussopt. On peut jouer comme ça. Pardon. Ministre n'est pas un métier, c'est pas une activité professionnelle comme les autres. Mais vous oubliez la question de la responsabilité. Mais vous êtes sympa, c'est pas parce que vous êtes ministre. Vous savez ce que c'est d'être ministre aussi? C'est un engagement du quotidien constant. Avec une responsabilité politique. C'est un engagement, oui, mais c'est un engagement constant. Il n'y a pas de raison d'être traité moins bien que les autres. Pardon. Il faut être traité de la même manière que les autres. À la différence des autres, je vous dis juste que moi, ma déclaration d'impôt, elle est sur Internet, la marque de ma bagnole est sur Internet, et que tout ce que je peux faire est sur Internet. Il n'y a pas de devoir d'exemplarité supplémentaire lorsqu'on est ministre. Mais l'exemplarité, pardonnez-moi, pour qu'elle soit supportable dans notre société, il faut qu'il y ait des règles de base qui s'appliquent à tous indistinctement. Alors, là-dessus, je vous le dirai, je suis très tranquille là-dessus. Ayant moi-même eu une procédure sur la question de la gestion de la crise Covid, etc., avec des discussions dont je rencontre très agréablement et très naturellement, j'en rencontre devant la Cour de justice de la République. Ça ne pose aucune difficulté, ça me prend juste quelques heures de temps en temps. S'ils avaient décidé d'une mise en examen au lieu de témoin assisté, vous considérez que j'aurais dû quitter mes fonctions? Ben non. Non. Si Olivier Dussopt ou Éric Dupond-Moretti étaient mis en examen et jugés pour trafic de drogue ou cambriolage, ils resteraient au gouvernement? Ou braquage. Non, mais s'il y a un délit pénal d'une gravité, je veux dire, c'est. On est vraiment en train de vous êtes vraiment en train de me poser cette question là au bout d'une heure et quart? Oui. Est-ce que le garde des Sceaux peut être attaqué pour trafic de drogue ou... Non, je vous dis, si les délits pour lesquels ils étaient. Est-ce que ça vous paraîtrait logique qu'ils restent en poste s'ils étaient poursuivis pour des délits de ce type-là? Est-ce que la nature du délit, à savoir l'atteinte à la probité, fait que, c'est-à-dire une forme de délit de classe, fait que ce n'est pas grave et qu'ils peuvent donc rester au gouvernement? C'est ça ma question. Eh bien. Mais pardon, elle est surréaliste votre question. Elle est surréaliste. Mais non, mais elle est surréaliste. Pardon, juste pour comprendre la nouvelle. Si j'écrase quelqu'un ivre au volant, est-ce que je vais rester au gouvernement? La réponse est non. Bon, est-ce que donc une atteinte à la probité pour un ministre, c'est pas grave? Ben non, mais donc une atteinte à la probité, à savoir la prise illégale d'intérêt. Si j'écrase quelqu'un, que je commets un délit pénal qui peut me conduire en prison, quel que soit mon métier, de toute façon, si je suis médecin hospitalier et que j'écrase quelqu'un en voiture en ayant bu, je pourrais pas revenir consulter le lendemain. Donc vous avez bien des degrés de gravité et de degré de nature des faits qui vont entraîner des conséquences différentes. Mais c'est 50 prisons, la prise légale d'intérêt. Mais que vous soyez ministre... J'ai bien entendu la manière dont vous posez les questions sur Éric Dupond-Moretti. Je connais bien Éric Dupond-Moretti. Je suis fier de son bilan à la tête de la justice. Je suis fier qu'il reste en poste. Et je lui souhaite de le rester longtemps. Juste pour comprendre la nouvelle doctrine. Si Éric Dupond-Moretti est condamné, est-ce qu'il quittera ses fonctions? Mais je ne veux même pas me mettre dans l'idée ou dans le référentiel. Vous trouvez ça? C'est une manière de ne pas répondre. Mais non, mais c'est pas. Mais une doctrine, ça s'explique. Mais quelqu'un qui est devant la justice, pas parce qu'il est ministre, qu'il a le droit qu'on lui marche dessus. Écoutez, à la fin. C'est lui marche. On va pas le comparer. Mais vous rendez compte, il est ministre de la justice. Avait vendu de la drogue. Attendez, et s'il était condamné, il a droit au respect. Je ne veux plus qu'on parle de son dossier. Il a droit au respect. J'ai répondu 10 minutes là-dessus. Il a dit que le procès qu'il a, alors qu'il est ministre de la justice, procès devant la CJR, il a dit que c'était un procès infâme. Il est ministre de la justice. Il est aujourd'hui devant la justice, il a le droit de se défendre, il a le droit, comme tous les citoyens, de se défendre et de dire ce qu'il a envie de dire. Personne ne conteste là. Est-ce que vous pouvez me répondre? Je trouve qu'il y a une espèce de... Vous savez, c'est une espèce... Moi, ça me met mal à l'aise. On a compris votre position. Je trouve que c'est un peu long. Les gens regardent. Et surtout, je vous ai répondu avec franchise en vous disant que je considère que... On a compris. Vous n'essayez pas de me convaincre, je ne changerai pas d'avis. Tout le monde tire. Vous avez dit que la doctrine... Je suis du taureau. On essaie de comprendre plutôt que de convaincre. Est-ce que la doctrine, vous avez dit qu'elle a évolué, est-ce que la nouvelle doctrine stipule qu'un ministre condamné quitte ses fonctions? Je ne sais pas. Et ça ne me revient pas de vous le dire.
Il ne me revient pas de décider qui reste au gouvernement ou qui ne reste pas. Et je ne suis pas sûr qu'on doive parler de doctrine. Et je ne veux pas envisager la situation où un de mes collègues, ami, qui fait un super boulot depuis des années et qui s'acharne pour faire en sorte que la justice aille mieux, je ne veux pas imaginer qu'il puisse être condamné. Vous pouvez comprendre ça. Donc, laissons-le tranquille. C'est bientôt terminé, d'ailleurs, le procès. Et regardons ce qui arrivera de l'autre côté. Voilà. Une toute dernière question. Demain, on diffuse une émission avec des victimes de pesticides. La France, dans deux jours, jeudi, devra voter au niveau de l'Union européenne pour autoriser ou pas le maintien du glyphosate dans l'agriculture. Sa voix est très forte et peut faire changer la donne. Est-ce que la France doit voter contre, pour ou s'abstenir ? Ok. Sur la question du glyphosate, vous connaissez notre position. On veut sortir du glyphosate. On veut en sortir totalement. On veut ne pas laisser les agriculteurs sans solution. Partout où il existe des solutions, on vire le glyphosate et on le remplace par des produits plus sains. C'est le cas pour bientôt 30% de notre agriculture, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays européens autour de nous. La proposition européenne qui avait été initialement de dire qu'il faut prolonger sans condition quasiment le glyphosate, nous l'avons refusé, nous n'avons pas voulu participer au vote, la proposition a été retirée, une nouvelle proposition est faite, il y aura un vote qui relève du Parlement européen, puis de la Commission si les États ne sont pas d'accord. Qui déjà au deuxième tour du vote. Le vote n'a pas encore eu lieu, donc je ne commenterai pas par avance. Juste vous dire une chose, c'est que je comprends parfaitement, je n'aime pas le glyphosate. Je suis tout bib et je serai très heureux le jour où il n'y en aura plus. Mais j'aime bien aussi manger des fruits et des légumes français. Et je sais juste une chose, c'est que si on arrête brutalement le glyphosate en se disant c'est super, on a mis une petite croix à notre scalp, on va acheter des tomates et des produits qui viennent de pays dans lesquels ce niveau de normes environnementales n'est même pas envisagé. Donc il faut qu'on soit dans une politique efficace. Et c'est nous les fers de lance européens. Merci Olivier Véran d'être venu ce soir. Merci à vous de nous suivre cette émission. Elle est en accès libre, donc si vous voulez rendre possible ce genre d'émission, abonnez-vous à Mediapart. Demain donc, notre émission spéciale 19h sur les pesticides avec témoignages très forts animés par toi Valentine et Amélie Poinceau. Bonne soirée sur Mediapart.